Madame, monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Espace Miné sur Info Télévision. 1h52 minutes, c'est le temps que nous aurons à passer ensemble pour discuter, analyser, bien entendu, l'actualité du moment à travers la revue de presse qui sera encore ce jour. La responsabilité de Patrick Bala, la dénonciation qui sera également à l'ordre du jour, sera celle de Bernardo Basson. Et les habitués le savent, nous aurons une thématique pour échanger, pour discuter. Et ce jour, nous intéressons au pouvoir judiciaire, troisième pouvoir au Cameroun après le législatif et l'exécutif. Le pouvoir judiciaire nous interpelle. Alors finalement, on va questionner le rôle de l'avocat dans cet environnement, surtout que l'on sait que le pouvoir judiciaire aujourd'hui fait les choux gras de la presse nationale et internationale. Une fois que je l'ai dit, je vous invite simplement à contribuer tout au long de cette émission à travers le code d'accès qui va s'afficher au bas du petit écran, le 699-13-50-75, c'est le numéro par lequel vous pourrez vous connecter à nous et participer à cette émission. On ne va pas oublier de rappeler que notre plateforme Facebook, Info TV Cameroun, reste d'actualité. Bien entendu, peu importe où vous vous trouvez, au Cameroun ou dans le monde, vous avez la possibilité et le bonheur de faire partie des mineurs ce matin. Une fois que je l'ai dit, je vais accueillir sur ce plateau Dieudonné Tédissé. Il est bien entendu juriste conseil. Il sera avec nous tout au long de cette émission. Bonjour, monsieur Tédissé, et bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Bonjour, population du Cameroun. Merci de m'avoir invité pour débattre sur un thème aussi important. Savez-vous, la justice est au cœur du dispositif d'une nation. Une nation dans laquelle la justice n'a pas toute sa force cède aux âmes. Bien entendu. Pourtant, il faut bien que les âmes puissent céder à la robe, à la toche. Parce que, quelle que soit la situation, chaque peuple, chaque nation doit pouvoir, en tout temps et en tout lieu, maintenir la force de l'argument au-dessus de l'argument de la force. Bien entendu. Sinon, voilà. Après, on rentre à l'état des natures. L'état de nature, la guerre de tous contre tous. Voilà, bien entendu. Merci d'être là, monsieur Dieudonné Tédissé. On aura sûrement l'occasion de jouir de votre expertise tout au long de cette émission. Allez, je le retrouve avec beaucoup de bonheur. Je croyais que c'était mon sucre à moi, mais on en a fait le sucre national. Et je me mords les doigts chaque fois que je dis, ben, c'est quoi avec Bernardo? Bernardo, c'est quoi ton affaire? Je croyais que t'étais mon sucre. T'es devenu le sucre. Bon, c'est vrai que ce qui est sucré est bon, attire tout le monde, mais il fallait pas me faire ça. Bonjour. Bonjour Rosalie. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent ce matin. Alors je vais dire bonjour à ma belle-sœur et joyeux anniversaire à elle. Elle est du côté de l'Allemagne. Elle s'appelle Audrey Kemajou. Elle a un an de plus aujourd'hui. C'est la fiancée de mon ami et frère Cyril Epoté. Donc je lui adresse un happy birthday ce matin. Et je lui souhaite la santé, la prospérité et beaucoup de succès dans tout ce qu'elle entreprend dans sa vie. Je suis très content d'être là ce matin. Faut lui souhaiter aussi l'argent. Oui, l'argent viendra avec. Pour la question du sucre, je ne pense pas qu'il faudrait débattre longuement dessus. Ouais, c'est un épiphénomène. Tu restes mon sucre. Tu reconnais quand même, non? Non, tu non, refuses? Non. Ok, je jette dans l'éponge, comme ça je te laisse au reste du monde. Hein. Non, toi tu es déjà l'eau de quelqu'un d'autre. Moi je suis un sucre qui doit se diluer. Dans toutes les eaux? Non, dans certaines autres eaux. Voilà. D'accord. Donc tu es conscient quand même que mon eau est trop équilibrée, quoi, trop bloquée, quoi. Il faut chercher les eaux qui peuvent accueillir plusieurs sucres. Bon, un sucre de ma nature. Ouais, c'est... Alors, il y a une journée mondiale pour ce matin, Bernardo. Oui, c'est la journée mondiale contre l'élimination de toutes les formes de discrimination. Oui. Donc, les humains ont décidé de considérer certainement, à juste titre, qu'à mesure que le temps avançait, certains se nimbaient de certains complexes de supériorité et discriminaient d'autres pour des raisons particulières. Et donc, il a fallu pour un équilibre social que certains travaillent, poussent, agissent et pensent qu'il fallait lutter contre certaines discriminations, contre certains écarts qui affligeaient naturellement d'autres personnes. Donc aujourd'hui, si j'écarte personnellement, ça c'est très individuel,
la question de l'homosexualité, pour laquelle je ne vois aucune discrimination. Je pense quand même qu'il faudrait effectivement travailler pour lutter contre la discrimination des uns à l'égard des autres ou dont sont victimes d'autres personnes de la part de certaines. Donc je pense bien sûr à la convention CEDEF, à CEDEF par exemple, qui œuvre depuis 1979 par ses écrits à permettre à ce que les femmes soient victimes de discrimination. Je pense également à toutes les chartes qui ont été conçues, aménagées, ratifiées par différents États, qui permettent d'intégrer dans l'ordonnancement juridique interne les différents modules qui permettent aux humains de vivre en équilibre sans que certains ne soient victimes de discrimination de la part d'autres personnes. Donc je pense qu'il y a de vraies avancées quand même notables là-dessus. Vous avez l'impression que ça marche, parce que lorsqu'on regarde la société aujourd'hui, la discrimination, c'est presque un quotidien. Je pense qu'il y a des travers humains qui ne vont jamais s'éteindre, mais que sur le plan institutionnel, il y a quand même des travaux et des actions qui sont menées et qui tendent à réduire l'écart. Par exemple, la femme, à l'époque, savait que les femmes n'héritaient pas, les femmes ne votaient pas, ainsi de suite. Aujourd'hui, le problème ne se pose même plus. On parle déjà de parité, on parle d'équilibre, on parle d'égalité. Donc, il y a clairement des avancées dans les rapports humains. Lesquelles avancées dénotent quand même la bigamie au Cameroun? La bigamie, elle est illégale. C'est ça que je dis, que moi j'attends sa légalisation. Donc vous avez dit polyandrie, c'est-à-dire la femme qui a plusieurs hommes. Oui. C'est ce que vous vouliez dire. Voilà. La polyandrie, si socialement parlant, elle peut être admise, spirituellement parlant, il faut laisser problème. La spiritualité se reposer. Voilà. Sauf que dans la vie, il faut savoir que tout ce qui est matériel a sa source dans l'immatériel. Donc on ne peut pas constituer quelque chose de matériel, lui donner de l'énergie, sans se souvenir d'abord de ce qu'il faille trouver la correspondance ultime et adéquate dans les plans immatériels. D'accord, merci d'être là encore ce matin, Bernardo. On va accueillir également l'apôtre Charlemagne Adams qui est avec nous ce matin. C'est le conseiller particulier d'Aimé Cyprien Olinga, le président du FDR, le parti qu'il va représenter également sur ce plateau. Et bienvenue, apôtre. Madame Gezele, bonjour et je salue tous les co-discutants. Je voudrais particulièrement ce matin saluer trois personnalités reconnues en Afrique. Je voudrais commencer par le grand poseur de première pierre, qui est le président Paul Biya, qui naturellement à chaque instant pose des premières pierres et jamais les chantiers ne sont livrés. Ensuite, je voudrais saluer le grand Ibrahim Traoré, celui-là qui est du côté du Faso, lui qui a fait passer une loi contre les influenceuses qui passent leur temps à exhiber leur corps sur l'espace public. Alors ces dernières, non seulement qu'elles encourent beaucoup de temps en prison, mais elles sont aussi susceptibles d'être déchues de la nationalité burkinabé. Je voudrais saluer la troisième personnalité, c'est Mec Noès du côté du Gabon, qui lui a été complètement, n'est-ce pas, radié du parti familial qu'on appelle là-bas PDG, qui est devenu aujourd'hui un vrai parti parce que en réalité, on a fait sortir, n'est-ce pas, on a extirpé du parti des gens qui avaient passé leur temps à faire du parti un bien familial. Donc, doux repos à M. Ali Bongo Ondimba. Merci d'être là ce matin, apôtre Charlemagne Adam. Et bien sûr, le quatrième non des moindres, à qui je veux dire bonjour ce matin, c'est le consultant maison également de ce programme, Pierre Blériot Niemek. C'est un bonheur de vous retrouver ce matin. Bonjour, Blériot. Bonjour, Rosalie. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à une princesse qui est née ce jour et dont vous voyez les images. Elle s'appelle Tchélé Aïssi Petula. Elle a 4 ans aujourd'hui. Vous aurez compris que c'est la fille d'un Kouta, du sac de modérateur. Lui-même n'ayant pas pu être là ce matin pour des raisons de santé. Deux gâteaux seront coupés ce jour, le premier à l'école de la petite et le deuxième au domicile des parents.
dès 18h. Sur invitation. Bien évidemment, moi, j'ai déjà ma place assurée. Personne n'est sûr d'avoir. Non, non, c'est ça que je n'aime pas. Monsieur Yemek, il ne faut pas dire ça comme ça à la télé. Il faut me dire, il faut me dire en off que Bernardo, comme tu vois, il y a le gâteau à 18h chez Donkuta. Quand il annonce comme ça, il y aura la bouteillage. Ce n'est pas bon. Bon, il a déjà dit que personne n'a sa place assurée. Madame Donkuta sait que j'adore quand elle me fait les oreilles de porc. Donc. Elle a... C'est pas ton anniversaire, elle a suivi. C'est l'anniversaire de la petite. Donc, je suis heureux d'être là et je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Obéissance aux parents, ça apporte la bénédiction. Oui. C'est déjà une enfant obéissante, mais qu'elle continue jusqu'à l'âge de la vieillesse. Maintenant, je lui souhaite de grandir en stature et en sagesse, entourée de ses merveilleux parents. Je suis heureux encore d'être là et si vous permettez, je pourrais partager avec nos téléspectateurs la sagesse du jour. Bien entendu, je voulais juste réitérer le happy birthday de toute l'équipe à la petite Téléa ici, c'est ce que tu as dit. Oui, Téléa ici, Petula. 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 Il a été inspiré. Demain, je vais lui demander ça. Il a été inspiré quand même par ce truc. Ce qu'on observe quand même, c'est que M. Aïssi aime mettre son nom sur tous les noms de ses enfants. Mais c'est normal, il est le père. Moi je ne fais pas ça. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est ton choix. C'est ton choix, mais c'est la logique ce qu'il fait. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je trouve que ça, c'est l'accaparement. Mais ce sont ses enfants. Tous ses enfants, il y a toujours Aïssi dedans. C'est normal. Allez, joyeux anniversaire, princesse. Surtout, enjoy ta journée. Mange autant de gâteaux que tu peux. Hein. Tu n'as pas encore le droit de faire les limites. Donc, tu manges, tu te reposes, tu bois beaucoup de jus, tu te reposes, tu danses aussi beaucoup. Voilà, avec tes camarades. Joyeux anniversaire. Alors, Pierre Blériot, la citation de ce matin. Celui qui veut concentrer sur lui tout seul tous les rayons du soleil finira par se brûler. Celui qui veut concentrer sur lui tout seul tous les rayons du soleil finira par se faire brûler. Bon, pour celui qui n'a pas compris, oui, bien sûr, la gloire, il faut la disséquer, il faut la répartir, il faut permettre à d'autres de briller. Parce que vous voyez que Dieu lui-même a conçu le soleil avec plusieurs rayons, quelques-uns s'adressent seulement à nous. Il ne faut pas vouloir toute la gloire pour vous seul. Et observez bien la scène. Hein. Ceux qui ont voulu concentrer sur eux toute la gloire en ont payé des lourds frais. Oui. Le seul qui mérite toute gloire, c'est Dieu. Bien sûr. Les hommes ont des portions de gloire. Et la gloire, que j'appelle même la gloriole, elle est très passagère. Voilà. Je pense que tout le monde a compris. Il n'y a pas besoin. Vous voulez rajouter quelque chose, après lui? Enfin, il envoie un message en filigrane. Pour nous qui observons la scène politique du Cameroun, aujourd'hui le Parlement du Cameroun, dans les deux chambres, est pratiquement bloqué parce que les uns ont concentré beaucoup de rayons de soleil sur eux, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon exemple, mais bon, c'est le vôtre. C'est un homme politique par ailleurs. Non, je te dis très bien. Que les hommes politiques, eux, trouvent toujours l'occasion... de sortir une pièce cachée d'une poche. Donc, j'ai appris que le père est de retour. Non, mais en fait, le propriétaire du Sénat. En fait, pour verser un peu de l'eau au moulin de Blériot, il est nécessaire que les uns et les autres intègrent le fait que les institutions vont au-delà des hommes qui les incarnent. Avant vous, il y avait. Il y avait quelque chose avant. Ouais. Avant vous, il y avait le Cameroun. Ah, pendant vous, il y a le Cameroun. Il y avait quoi avant? Après vous, il y aura le Cameroun. Dans des institutions fortes. Oui, voilà. Je voulais aussi ajouter quelque chose. Oui. Mais je vois que cette citation vous inspire. Je ne peux pas laisser passer comme ça. Parce qu'il faut toujours saisir la balle au bon. Si nous allons dans le domaine, par exemple, de notre football aujourd'hui, on a une ancienne star qui veut rester star éternelle du Cameroun. Et qu'on ne devrait plus avoir un autre homme, on ne devrait plus je voir une autre dire que ce n'est pas de lui dont je parlais. Donc, il est question aujourd'hui de laisser aussi, de comprendre aussi que nous avons un petit aujourd'hui qui joue dans une grande équipe qui s'appelle André Onana, qui est pour le moment la plus grande star nationale. Et on devrait accepter cela. Parce que le fait, par exemple, à la Coupe d'Afrique, nous avons vu comment on a, n'est-ce pas, maintenu
pendant tout le parcours de Lions et Nautas, l'exception d'un seul match. On a maintenu André Onana sur le banc de touche, alors qu'on a pris un gardien qui joue en troisième division et qui même qui là-bas chauffe le banc. Et qui même là-bas chauffe les bancs, et qui en réalité ça ne devrait pas se faire. Pourquoi? Parce qu'on veut étouffer un talent. Et je voudrais que vraiment avec cette citation d'aujourd'hui, que les uns et les autres puissent comprendre que en tout cas, c'est il faut pas toujours vouloir briller seul. C'est des exemples très politiques. Nous, on restait encore dans le commun de mortels, mais voilà. Ça convient à vos personnalités et on s'incline. Voilà. Et puis, quand je parlais tout à l'heure, par exemple, de ce qui s'est passé au Gabon avec le PDG, c'est pour faire clin d'œil aux gens qui ont changé le nom d'un parti là et qui pensent qu'aujourd'hui, c'est leur parti. Ils ne savent pas que demain, d'autres vont revenir même réclamer l'ancienne parti. La paternité. Et pour dire que voilà, le parti ne s'appelait pas RDPC. Et c'est même eux qui ont ouvert l'affaire là que le président fondateur peut revendiquer son parti. Voilà. Voilà qu'on a qui revendique. Quand quelqu'un va naître un jour, dit que je suis fils de Aïdjo, voilà. Je veux mon parti. Voilà. Ils vont remettre. Le président fondateur. Un parti fondateur. Allez, on va prendre une transition et on accueille Patrick Bala. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Rosalie. Très heureux de te retrouver ce matin. Oui. On va dire que ça fait longtemps. Nous sommes dans la même boîte, mais... on se croise pas beaucoup. Oui. Je suis devenu un peu une demi-midi, et là, je suis du matin. Oui, par contre, nous sommes de matin. Du matin, et après, vous disparaissez. Non, on revient plutôt à être du soir. Pour être du soir. Alors, Patrick, avec toi, on va faire le tour des tableaux de paru ce matin. Ouais. Que nous disent alors les journaux? Alors, Rosalie, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui dédié à Dieudonné Mvin, ou alors celui de Dieudonné Mvin, qui en est le directeur de publication. On parle de la météo qui s'intéresse ce matin à cette nécrologie. Abdoulaye Ado n'est plus, nous fait donc savoir le journal. Journal La Météo, le tri-hebdo d'informations, d'enquêtes, d'analyses et surtout de reportages. Eh bien, le journal nous fait savoir que l'analyste sportif proche du football, professeur de lycée technique, chef de cellule à la division des affaires juridiques au MINSEC et enseignant de droit commercial et de la législation du travail, est décédé, c'était le 20 mars dernier, ici à Yaoundé, des suites de maladies. Information contenue à la page 3 de ce journal. Quittons le journal La Météo pour s'intéresser à Info Matin. Le quotidien parle de dérive avec l'ordre des médecins qui soutient l'insurrection. Le journal Info Matin nous fait donc savoir que le président de cette organisation corporatiste, Rodolphe Fonkoua, défend dans un communiqué, le directeur de l'hôpital de district de Messamena, Serge Assamba, suspendu, vous le savez, c'était le 18 mars dernier de ses fonctions, c'était par le ministre suspension du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, pour manquement à l'éthique et à la déontologie professionnelle. En plus, ce docteur s'est illustré également, nous fait savoir le journal, par une sortie méprisante à l'encontre du sous-préfet de cet arrondissement, représentant du chef de l'État dans cette unité administrative. Information à lire de la page 5 à la page 9 de ce journal. Parlons de Marafa Amidou Yaya à présent avec le messager de Fepius Ndjaoué. Le journal revient sur l'ancien ministre d'État, ex-proche collaborateur du président de la République, qui, vous le savez, croupit en prison depuis 12 ans aujourd'hui pour un délit. On parle donc d'intellectuel, délit intellectuel. Et il est menacé, hein, selon le messager ce matin, de cécité. Le journal titre donc en grande une Marafa Amidou Yaya, la lettre de Hollande à Paul Biya. Quittons le journal Le Messager de Fepius Ndjaoué pour tomber sur la nouvelle expression qui s'intéresse à l'incompétence des fonctionnaires. Et le journal revient sur les propos du professeur Nkou Vando Prosper. Eh bien, le professeur des universités et leader du parti Univers a fait donc un cours magistral de droit administratif aux collaborateurs du ministre de l'administration territoriale avant, bien évidemment, de leur
imputer les incongruités contenues dans le communiqué du Minat interdisant l'APC de Jean-Michel Nietzsche et l'AFP d'Olivier Billet. On parle donc des collaborateurs d'Atangandji humiliés, selon la nouvelle expression ce matin. Information à lire de la page 6 à la page 7. Restons avec ce journal pour parler de deux faits, notamment cette tragédie du côté de Bafoussam avec ses deux sœurs emportées par le torrent. Le journal nous fait donc savoir qu'elles faisaient la lessive quand elles ont été surprises par un déferlement des eaux de pluie. Information contenue à la page 3. Et vous avez également, toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, cette fois-ci du côté de Mbouda, avec un adolescent qui charcute son géniteur. Le drame est survenu à la suite d'une petite dispute réprimandée donc par son père. Il s'est saisi d'une machette pour lui asséner plusieurs coups au niveau de la tête. Donc des informations à retrouver à la page 3 de ce journal. Parlons de mutation de Georges-Alain Boyomo qui s'intéresse à la ville de Douala. Et le journal nous fait donc savoir qu'après plus de 12 ans passés à la tête de la délégation régionale de la sûreté nationale du littoral et des dossiers brûlants qu'il a su gérer avec maestria, le tout-puissant commissaire divisionnaire Raymond Essogo passe donc la main. Ce sera demain vendredi. Information contenue à la page 5. Le journal parle également de sport avec Emmanuel Essémé, l'homme le plus rapide d'Afrique, nous fait donc savoir le journal après avoir remporté le 100 mètres monsieur. C'était lors des 13e Jeux africains du côté d'Accra au Ghana. C'est d'ailleurs la grande une du quotidien bleu, le jour d'Aman Mana ce matin, qui s'intéresse justement à ces Jeux africains d'Accra 2024 avec cette belle prestation d'Emmanuel Essémé. Le Camerounais a remporté le précieux sésame en or au 100 mètres en 10 secondes et 14 tierces du côté donc du Ghana. Parlons du point. Le Biebdo parle de l'ancien ministre délégué auprès du ministre de la Justice, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, en abrégé, Maurice Kamto, qui était à une certaine époque la cheville ouvrière du projet de modification de la Constitution. Eh bien, le journal nous fait savoir qu'aujourd'hui, il s'illustre par sa capacité à sécher ses habits au soleil en fonction donc de ses intérêts, sans s'encombrer de ses engagements passés ni de sa parole publique. Le point fait donc une incursion sur cette actualité et parle donc de code pénal révisé, délit d'initié Maurice Kamto, le saltimbanque. C'est donc la grande une du journal à retrouver en page 7. Parlons d'étudier avec les élections présidentielles de 2025, avec le journal Le Popoli. Le journal satirique revient sur l'immunité de Nietzsche à prix et illustre cela à travers ce propos. Tu as alors ameuté les abeilles pour faire montre de ce que Nietzsche se retrouve aujourd'hui dans un grand pétrin. Le journal parle également de Camtel qui démantèle un réseau de fraudeurs. C'est du côté de Van. Allons en kiosque toujours, on reste donc en kiosque avec la Capital Info qui s'intéresse à la culture Moudan avec Élie Pierre désavoué et vomi par les chefs traditionnels. Le journal Capital Info nous fait donc savoir que c'est un contenu d'un pamphlet des goûts Moudan, chef et dépositaire de la tradition, adressé à leur homologue du Tchad, dans lequel il dénonce des pratiques perpétrées par les fils de la communauté et qui sont donc à la solde du membre du gouvernement qui, de par son silence et des informations concordantes, ne serait pas étranger aux faits allégués. C'est une information à retrouver donc dans ce journal. Eh bien, Rosalie, on termine avec Amer Presse.
qui s'intéresse au transport maritime. Le journal nous fait donc savoir ce matin que plus de 200 navires immatriculés battent pavillon Cameroun sur les eaux internationales. Autre fait, tous ces bateaux sont interdits de naviguer dans les eaux des Émirats Arabes Unis. Et comment comprendre donc que 75% des navires au monde battent pavillon des pays étrangers? Des réponses dans cette enquête de Camer Press qui titre en grande une « Au pays des bateaux fantômes ». C'est avec cette information qu'on referme cette deuxième partie consacrée à la revue de presse. La première, c'était à 6h45 avec Théophile Vianney-Biya. La seconde, c'est dans le cadre de ce programme, Rosalie. Et bien entendu, avec beaucoup de bonheur, merci de nous avoir livré ces actualités. Maintenant, avant de partir, tu nous dis un tout petit peu ce que la rédaction nous réserve pour le 19h et le 20h. Eh bien, Rosalie, on va s'intéresser au phénomène de mongolisme, hein, à ne pas confondre avec les personnes de petite taille. Ouais. On va essayer de permettre à nos téléspectateurs... À ne pas confondre également avec les personnes malades de trisomie 21. Parce qu'il y a un tout petit peu une ressemblance dans le style. C'est vrai que l'expression tend vers là, c'est-à-dire mongolisme, ces personnes justement qui ont la trisomie 21, qui est une anomalie due justement à... Un chromosome absent. Justement. Donc on reviendra, on parlera de cette actualité, comment reconnaître justement ces personnes-là. Généralement, ce sont des personnes parfois qui... En tout cas, physiquement, on les reconnaît. Oui, oui. De quand convoque également, confondent également ces personnes. Mmh. Généralement, ce sont des personnes, elles peuvent être au niveau du bassin, le bassin peut être assez élargi. Assez, ouais. Et vous avez peut-être en haut, c'est petit, la tête a une forme bizarre, soit il bave, soit il a une démarche bizarre. En fait, c'est plus à leur tête qu'on les reconnaît, hein, très souvent. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est une pathologie qui touche beaucoup de familles, mais dont on ne parle pas beaucoup parce que ça dérange. Ouais. Et pourtant, en maîtrisant, on peut aider ces personnes-là à bien vivre. Donc, c'est une bonne idée. C'est vrai que dans une certaine région, lorsque vous aviez un enfant mongol, on disait que vous avez pratiqué l'inceste. Ah, d'accord. Oui, dans une certaine région. Lorsque vous avez des enfants mongols... On dit que ce sont des enfants issus de l'inceste. De l'inceste, oui. Ce sera tout? Oui, ce sera tout. D'accord. Merci à toi, bien entendu, Patrick Bala. Je te laisse retourner au cœur de la rédaction centrale. Et on se verra sûrement tout à l'heure dans les couloirs. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Allez, nous, on va poursuivre cette émission en s'intéressant à quelques sujets qui sont issus de cette revue de presse à nous, talentueusement livrée par Patrick Bala ce matin. On l'a constaté avec la météo qui revient, bien entendu, sur le décès d'Abdoulaye Ado, qui aura été un acteur très important de notre environnement médiatique au-delà des plateaux d'infotélévision sur lesquels il a eu le bonheur d'intervenir. Il a également été un chroniqueur au cœur du journal La Météo, bien entendu, hein, dans les années 2010, 2011, 2012. Et c'est même d'ailleurs de ce côté-là qu'on le découvre pour la première fois. Abdoulaye Ado s'en est allé, un souvenir? Oui, oui, Abdoulaye Ado, personne ne peut... aujourd'hui, dire qu'il ne connaît pas Abdoulaye Ado, parce que naturellement, Abdoulaye Ado a été un très grand débatteur. On le retrouvait pratiquement sur tous les plateaux, que ce soit radio ou télévision. Surtout, et puis, c'est quelqu'un qui est toujours resté droit. Il a toujours défendu, n'est-ce pas, ses opinions. Nous savons très bien que moi, je n'ai parfois pas été d'accord avec lui sur certains points, mais quand aujourd'hui je regarde ce qu'il a eu à livrer comme combat, je lui donne raison. Vous savez, il a combattu la FECAFOOT jusqu'à la mort. Donc, et naturellement, aujourd'hui, avec la gestion kafkaïenne et villageoise de cette fédération, nous comprenons qu'il avait totalement raison, n'est-ce pas, de prendre cette position-là. Donc aujourd'hui, il faut saluer sa mémoire. C'est des gens comme ça que le Cameroun a besoin, des gens qui savent défendre leur cause jusqu'à la fin. Il parle de loyauté, Pierre Blériot-Niemeyck. C'était une grosse caractéristique d'Abdoulaye Ado, d'ailleurs, qui est resté très fidèle à l'ancien président de la Fédération Camerounaise de Football. Malgré la déchéance, malgré les combats, il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours dit, lui, d'ailleurs, je l'ai beaucoup côtoyé, donc en amitié aussi, il était très fidèle.
Oui, ben, vous qui l'avez côtoyé, vous dites la même chose, sans fioriture, ça veut dire que c'était vrai. Je l'ai dit hier, je ne l'ai pas beaucoup fréquenté. Nous avons partagé un seul plateau, mais il est très facile pour moi de reconnaître quelqu'un de sincère. Vous savez, les gens nous voient seulement à la télé. Oui. Nous nous voyons après la télé. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont fini de parler à la télé, se mettent à rire de ce qu'eux-mêmes ont dit. J'ai fait le job. Bon. Il y en a qui sont sérieux. Et lui, il était sérieux. Quand je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un plein de conviction. C'est ça qui est... On peut se tromper, c'est humain. Mais au moins, il faut se tromper de bonne foi. C'est pas comment d'autres trouvent le sommeil en venant mentir. C'est-à-dire parler contre leur pensée. Et je l'ai dit en off, c'est la caractéristique d'un bon musulman. Un bon musulman. Les bons musulmans sont des gens loyaux. Les bons. Ouais. Bon, je ne sais pas trop comment les bons chrétiens sont parce que... les chrétiens ne se distinguent pas par un comportement de groupe. On peut pas facilement trouver... On ne peut pas dire voici une caractéristique propre aux chrétiens. Mais les bons musulmans... Quand vous avez un ami musulman qui est un bon musulman, vous êtes sûr que vous avez un ami. Vous voyez, ce n'est pas les bons. Ils ne font pas dans les fioritures. Bon, nous n'avons peut-être pas peur de notre Dieu, nous les chrétiens. Nous pouvons jouer même avec lui. D'ailleurs, regardez comment on joue à l'église chrétienne. J'ai vu dernièrement la chapelle, la porte est désormais ouverte. Les gens viennent prendre les enfants. On vient ici, c'est-à-dire, l'église est devenue un lieu Pendant la messe ou pendant la messe, le prêtre parle là-bas. Et quelquefois, le prêtre est obligé d'interrompre pour dire, faites sortir. Si. Non, revenons à Abdoulaye Ado. La constance dans ses analyses, la permanence dans ses convictions, force l'admiration. Parce que vous voyez, nous sommes dans un univers de corruption mentale. Constamment, on vous suggère de changer votre point de vue. Et quand vous voyez quelqu'un qui s'oppose même à ceux qui ont l'argent et le pouvoir, il faut comprendre que c'est beaucoup de courage. Et puis, finalement, je vais féliciter la force des médias. Abdoulaye Ado est connu de par le monde, décédé aujourd'hui, vous voyez ça. Quand on est homme de médias, quand même, si on est sérieux, ça fait une bonne publicité. Hein. Ouais. Je crois que quand je mourrai, beaucoup seront informés. Voilà. T'es pas sérieux? Non, mais en même temps, c'est une vérité. Non, moi, je ne... Attendez, ils moi, seront je... informés. La question... Sans... Non, personnellement, la question de ma mort, je l'ai résolue depuis longtemps. Moi, j'attends seulement l'accomplissement des temps. Je ne suis pas dans la logique de ceux qui veulent rester sur la terre jusqu'à ce que Jésus vienne les retrouver. Bon, moi, quand le moment sera venu, je vais me retirer. Je sais que je ne suis pas venu de moi-même. Donc, il est évident que, avec ou sans ma volonté, je vais repartir. Je n'ai pas demandé à venir. C'est clair. Il faut reconnaître, hein, il fait une remarque très pertinente. Abdoulaye Ado était Sénacom pour l'ANDP, donc secrétaire national à la communication. Mais il travaillait à la fonction publique. Patrick Bala l'a d'ailleurs débrouillé tout à l'heure, puisqu'il était au ministère des enseignements secondaires. Il était également enseignant de lycée technique. Il a appris le droit, donc il transférait très bien, parce que c'était un juriste également dans son parcours scolaire. Mais on constate qu'il n'avait pas peur de ses opinions. Il disait ce qu'il avait envie de dire sans crainte. Et c'est rare au Cameroun lorsqu'on parle de politique dans l'environnement qui est le nôtre. Pour un fonctionnaire. En fait, Rosalie, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Niemek. Quand on concentre beaucoup de rayons de soleil sur soi... sa citation. Oui. Il vivra longtemps parce qu'il ne concentre pas beaucoup de rayons de soleil sur lui. Abdoulaye Ado également reste dans la mémoire des gens parce qu'il était capable, je l'ai connu seulement à travers les écrans, il passait beaucoup dans une chaîne concurrente, il était capable de défendre le point de vue de l'ancien président de la FECAFOOT. Il y a Mohamed tout seul. Non pas en mettant l'individu devant, mais en mettant les résultats et les actions. Voyez-vous, défendre la politique de quelqu'un, c'est une chose, mais défendre la politique d'échec d'une personne en faisant croire que la personne c'est l'ange gardien, ça n'est une autre chose. Abdoulaye Ado était un homme de conviction et qui n'avait pas peur de choisir son camp.
et qui ne séchait pas seulement ses habits là où le soleil brille. C'était un bon musulman, parce que là-bas au moins, on sait que quand on nage dans l'eau, c'est seulement son ventre qui est dans l'eau, sinon on voit son dos. Donc, malheureusement, au Cameroun, on a habitué, il a parlé des chrétiens tout à l'heure, ce que les gens tiennent comme discours en journée, ce n'est pas la même chose que les gens tiennent la nuit. Il y a encore quand même des gens qui réussissent, contrairement à Abdouado, qui peuvent voir le noir et dire que c'est blanc. Même si ça ne va pas, il dit c'est blanc. C'est comme dans certains villages, il y a un proverbe qui dit que le fou prend le caillou, écrase le piment sur ses pieds, quand il y a des étrangers, quand les étrangers partent, il se met à pleurer la nuit. Il n'était pas comme ça. Oui, justement, il n'était pas comme ça. Il a d'ailleurs, hein, comme je le disais à l'entame de cette émission, c'est également sa maison aujourd'hui, la météo. Il a été chroniqueur, beaucoup aimaient bien le lire sans le connaître physiquement. Et puis, ils ont découvert son visage un jour. Et c'est d'ailleurs de ce côté-là qu'il démarre à être visible. Et après, il étale. Moi, je l'ai connu du côté de Douala. Il s'est déplacé pour venir passer sur mes plateaux. Je l'ai retrouvé avec beaucoup de bonheur à Yaoundé. On a cheminé. Donc, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup côtoyé. Et c'est dommage quand même parce que je perds un bon client pour mes plateaux. J'ai l'habitude de dire que quand il fallait trouver des adversaires en termes d'arguments à l'équipe dirigeante de la FECAFOOT aujourd'hui, c'était difficile pour équilibrer un plateau. Et lui, il acceptait volontiers, même quand il était seul contre 1000. Il ne lessivait pas sur les moyens pour défendre ses points de vue. Donc du coup, ce genre de débatteur, on n'en a pas beaucoup au Cameroun. Et pour nous, hommes de médias, on perd quand même un bon client pour nos plateaux, pour nos émissions, pour nos journaux. Les gens vrais qui disent des choses ouvertement et qui n'ont pas peur de se faire écraser dans les moulinex. Ouais. C'était un bon Camerounais. Ouais. C'est bon? Constant de dire cela. Parce dont que les Camerounais sont comment? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a de moins en moins d'humains au Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent avec des membres et des jambes. Alors, à la vérité, lui et moi, on n'était pas d'accord généralement sur un élément, sur la question Eto'o. Oui. Parce que moi, je n'ai jamais caché ton soutien, que je peux reconnaître qu'Eto fait ci ou ça de mal, mais que fondamentalement, je suis un pro-Eto. Je ne l'ai jamais caché partout. Donc, on n'était pas d'accord, mais on n'était pas ennemis. Il ne faisait pas comme certains qui pensent que, parce qu'on n'a pas la même vision des choses sur un certain sujet ou sur plusieurs sujets, ça fait de nous des ennemis fondamentalement. Il n'était pas comme cela. Plus loin, c'était un bon Camerounais en ceci que dans les questions de sport au Cameroun, on ne veut pas les personnes qui sont mesurées, malheureusement. On veut des personnes comme M. Niemek, c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, qui peuvent taper fort, parfois parler fort et être dur. Donc on veut des personnes qui sont soit à gauche, soit à droite. Et c'était quelqu'un qui était soit à gauche, soit à droite, selon le bord en face, mais qui savait clairement s'assumer, être aigu, être obtus, être têtu, quand il avait une idée. Et forcément, c'est à saluer. Donc, moi, je vais m'aligner sur ce que pensent les autres. Je ne l'ai pas connu hors des médias, mais des retours qui nous parviennent quand même font état de ce que c'était quelqu'un de linéaire, quelqu'un d'intègre, de disponible et de gentil, d'avenant surtout. Donc, j'espère que, comme je l'ai dit hier, je le répète, j'espère que s'il a vraiment été l'homme, je pense qu'il a été, que ses proches décrivent, que sa famille fera tout ce qu'il faut, comme on fait chez nous en Afrique, pour l'élever au rang d'ancêtre, afin qu'il continue de veiller sur ses descendants. On élève quelqu'un chez nous, vous voyez, on est tous défunts un jour ou l'autre, mais on n'est pas tous ancêtres. On est défunts parce qu'on décède. Mais on est ancêtre quand on a eu une certaine vie et qu'après la mort, on nous élève, vous voyez, on nous élève par certains rituels, certaines pratiques qui nous permettent de veiller sur la continuité. Ah, vous nous entraînez là dans la spiritualité africaine. Oui, oui. Donc vraiment, je pense que comme il a été un homme bon, que sa famille travaille pour l'élever à ce qu'il mérite. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que même de là où il est, il peut veiller sur sa famille? Pour qu'il puisse veiller, il faut que le lien reste établi entre lui et ceux qui sont restés. C'est tout simplement. Madame Gezele. Madame Gezele. Je savais. Madame Gezele. Oui. Ça n'a rien à voir. Vous savez. Je savais, c'est un apôtre. Vous savez. C'est logique. Abdoulaye Ado était musulman. Ouais. Donc à l'heure où on parle, il a déjà été enterré. Oui, d'ailleurs, c'est à. Voilà.
j'allais dire... Donc, la religion musulmane, un peu comme dans le judaïsme, on ne garde pas les morts. Ce qui est en train de tchinga. Quand on ne garde pas les morts, ça fait qu'il n'y a pas d'ancêtre. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Lui, il a parlé des ancêtres. Mais quand il vient évoquer les histoires des ancêtres, est-ce que le Coran, ça commande oui, avec sûr, ce genre de choses? Bien sûr, vous avez... Bon. Et monsieur. C'est pour cela que je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous regardent pour dire que dans la religion musulmane, parce que j'ai commencé par là, mm-hmm. on ne donne pas ce rang-là aux êtres humains. Quel parce rang? Que c'est le rang, par exemple, d'ancêtre, comme il est en train de dire. Mais on peut, n'est-ce pas, prier pour cette personne-là. On peut aussi demander aussi à cette personne-là d'intercéder pour nous. Bon, dans ce sens-là, dans ce cadre-là, on ne peut pas vouloir l'élever dans le sens à ce qu'il puisse venir interférer dans les affaires humaines. Ça ne se fait pas dans l'islam. Donc, on ne peut pas vraiment comprendre qu'il y a une main de quelqu'un qui est parti de l'autre côté pour venir intervenir. Comme on a dit que tu es apôtre, on va nous inviter. Voilà. Bon, maintenant, il y a aussi la question du christianisme comparé à l'islam. Bon, moi, je pense, c'est pas un débat, mais il faudrait dire que l'islam, comme la religion catholique, est une invention humaine, parce que la religion ne vient pas de Dieu, mais la religion vient des hommes. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas être sauvé parce qu'on était un bon religieux. On va être sauvé parce qu'on était un bon croyant. Donc, il faut que les gens fassent la différence entre ces deux. Mais le christianisme initié par n'est-ce pas le Seigneur dans les Actes des Apôtres est autre chose, parce que là-bas on devient plutôt chrétien, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et devenir chrétien, c'est quoi? Jean chapitre 1 le verset 12: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on est créatures de Dieu nous tous, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut oui, dire cela. Oui, 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 Dieu. Donc maintenant, ceux qui sont les enfants pour de sortir. Dieu, oui, pour sortir, ceux qui sont les enfants de Dieu ont aussi des qualités. Parce que, vous dites voilà. Comme une voilà. Voilà. Il ils ont des qualités. Il, parce qualités que dans... il a dit qu'il n'y a pas un adjectif qu'on peut prendre. Mais comment donc on peut être chrétien et ne pas être fidèle en amitié? Comment on peut être chrétien et ne pas être fidèle en amitié? Non, autour de vous. Non, mais ça veut dire que c'est des faux chrétiens là-bas. Mais il est d'accord. Il a dit un bon chrétien comme il a dit un bon musulman. Voilà. Voilà. Tout à fait. Donc, vous êtes finalement d'accord, vous ne vous êtes pas juste écouté. Oui, je vais partager le point de vue de Bernardo Masson. Voyez-vous, il a dit quelque chose d'essentiel et j'adhère à ce point. Parce que le problème fondamental, c'est que beaucoup d'Africains perdent leur identité et se noient dans des religions. Parce qu'avant que vous n'arriviez ici avec cette affaire de christianisme et de d'islam, nous étions connectés directement avec Dieu. Mmh. Et lorsque un jeune monarque, un jeune prince, un jeune vaillant guerrier avait commis des faits de guerre lors des campagnes, mort très jeune, le peuple se réunissait pour l'élever au rang d'ancêtre. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez importé. Et donc, du coup, comme ce n'est pas le thème, Abdoulaye Ado, que j'ai connu seulement à la télévision, moi aussi, était un homme de conviction. Mmh. C'était le seul qui pouvait, dans le grand marigot de Tinga, prendre une position. Parce que ce marigot a beaucoup de caïmans. Ouais. Et donc, du coup, être élevé au rang d'ancêtre, ça ne poserait pas de problème. C'était un héros dans son genre. D'accord. Je pense qu'on est désormais tous d'accord. C'est vrai que j'aurais souhaité dire entendre votre réflexion sur ces affaires de patricide aujourd'hui. Mais je vais plutôt continuer cette émission en nous intéressant à la dénonciation de ce matin. On retrouve Bernardo Masson juste après la transition. Alors Bernardo Masson, qu'est-ce qu'on dénonce ce matin? Alors Rosalie, cette dénonciation, je l'ai reçue la semaine dernière. Uh-huh. Je ne voulais pas la porter parce que ce cas a déjà été abondamment relayé sur le plateau ou alors des cas similaires. Mais le monsieur éploré m'a dit que chaque douleur est singulière et qu'il voulait que je pose son cas. Dis-nous tout. C'est encore une affaire d'église. Une église de réveil encore. Ouais. Alors, le monsieur est issu d'une famille de trois. Ouais. Il a un aîné qui est en France et une cadette au Cameroun avec qui il vit. Le monsieur travaille du côté de Douala et sa sœur également y vivait.
Donc, ils avaient de très bons rapports. Le monsieur est plutôt fortuné. Il aidait sa sœur. Sa sœur a été mariée et elle a eu deux filles. Une de 27 ans et une de 24 ans. Depuis 10 ans, sa sœur a commencé à fréquenter une église de réveil du côté de Douala. Les deux aînés se sont opposés, mais elle leur a dit, laissez-moi, mon mari est décédé, moi, c'est vrai, vous m'assistez, vous m'aidez, mais laissez-moi suivre ma voie. Et ses frères lui ont dit d'accord. Alors, dès le mois de janvier, elle est gravement tombée malade et son frère a dit qu'il devait trouver du temps tous les week-ends pour aller l'assister parce qu'en semaine, il travaille beaucoup, parce qu'il a un très bon emploi à Douala et il gagne bien sa vie. Et donc, il allait assister sa sœur. Il l'emmenait au centre de santé, il essayait de l'emmener au centre de santé et elle s'opposait à chaque fois. Quand il lui dit « allons à l'hôpital », elle s'oppose, elle pleure, elle crie. Elle dit « il veut me tuer », elle appelle ses filles, qu'il veut m'emmener chez les médecins des Blancs, ils vont me tuer. Le pasteur m'a dit que Dieu va me sauver. Son frère essaie d'insister, il ne veut pas la brusquer parce qu'elle est malade, il se dit que ça peut l'affecter, mais finalement elle s'oppose. Et puis un mois après, il lui a dit « tu sais ce qu'on va faire, on va aller rencontrer ton pasteur et on va lui demander la permission pour que tu ailles à l'hôpital. » Sa sœur a dit d'accord. Deux fois, il a cherché à rencontrer le pasteur. Le pasteur a dit qu'il ne le recevait pas. La troisième fois, il a envoyé ses nièces aller appeler le pasteur pour qu'il vienne à la maison parce que sa sœur commençait à vraiment se liquéfier. Et le pasteur est venu à la maison. Il dit au pasteur vraiment, « Ma sœur, ça ne va pas. » On sait bien sûr de quoi elle souffre puisque son corps s'affaiblit. Je pense que c'est clinique ceci, ce n'est pas mystique. Comme ce n'est que toi qu'elle écoute, je ne veux pas la porter de force pour l'hôpital. Demande qu'on l'amène à l'hôpital. Le pasteur leur a dit, sortez de la maison, laissez-moi avec ma fidèle pour 5 minutes. Le frère est sorti avec ses nièces, on les a laissées pour 5 minutes. 5 minutes après, le pasteur les rappelle pour dire rentrer. Il dit, prenez un verre d'eau, donnez à votre sœur et maman. Moi, j'ai parlé avec Dieu. Il vient de me passer un message. Il m'a dit que votre sœur va se relever dans les prochains jours. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, je peux partir. Surtout qu'en venant, il est venu avec 6 autres fidèles. Disciples. Pardon. Ouais, disciples. Bon, si je dis mauvais terme, vous me pardonnez. Il est venu avec 6 autres... Individus. Voilà, fidèles, tout ce que vous voulez. C'est des individus. Et donc, quand il est sorti, le frère s'est énervé. Et il a dit, pour lui, c'est de la comédie, tout ça. Et donc, lui, il va prendre sa sœur pour l'emmener à l'hôpital, que ça a assez duré comme ça. Qu'il a porté les médicaments, les calmants et tout, mais il va l'emmener à l'hôpital de fois parce qu'il la sent vraiment se dégrader. Et en voulant sortir, il a trouvé les fidèles là, qui étaient vraiment comme une armée et qui devaient l'empêcher d'emmener la sœur à l'hôpital à la demande du pasteur. Parce que le pasteur leur a dit qu'il suspectait que le monsieur aurait transgressé sa règle en emmenant sa sœur à l'hôpital. Et donc, là, il a mis sa sœur dans la voiture avec ses nièces. Et quand il voulait démarrer, les fidèles se sont opposés. Il a même vraiment forcé, il a même heurté un, parce qu'il voulait vraiment passer, il a heurté un, mais sans trop de violence. Donc il n'est pas décédé, mais il s'est quand même blessé. Et les fidèles se sont opposés, ça a commencé à devenir des éclats de voix, la bagarre a éclaté, les voisins sont même sortis. Et la petite sœur dans la voiture, qui avait sa maman, ne faisait que pleurer, en disant que maman ici se fatigue, elle ne parle plus et tout. Et donc, quand pratiquement 30 minutes après, ça essaie de se calmer pour que les gens essaient de trouver une issue. Les voisins disaient que mais laisser aller à l'hôpital, c'est quand même son frère et tout. Quand on rentre dans la voiture pour voir la dame, elle est décédée. Et elle ne respirait plus, elle est décédée. Donc, on l'amène à l'hôpital, on trouve les médecins là-bas constatent la mort. Vous voyez, on constate, on dit qu'elle est décédée. Et donc, le frère est complètement dépassé. Il a agi. C'est-à-dire, il est allé à l'église le même soir, il a rencontré le pasteur et ça ne s'est pas très bien passé pour le pasteur, ça il faut le dire. Donc c'est vrai, une plainte a été déposée contre le monsieur par le pasteur et par les fidèles, mais il a voulu que j'en parle ce matin pour dire qu'il faudrait qu'on demande à ces charlatans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fouetté le pasteur? Correctement et bien, ça je peux vous garantir. Parce que le pasteur est encore debout. Le pasteur est à l'hôpital en ce moment. D'accord, c'est un bon début. Non, il lui a cassé un bras. C'est un bon début. Ouais, il lui a cassé un bras, il a vraiment, vraiment tabassé. C'est vrai, il y a une plainte déposée contre lui, vous imaginez, pouvoir de fer, blessure, coup, tout ce que vous imaginez. Mais, donc, l'enquête préliminaire est ouverte contre le monsieur, mais il a quand même voulu que j'en parle pour dire, il m'a dit, dénonce le fait que quelques charlatans continue de détruire les familles et de causer autant
de dégâts. Ouais. Voilà. C'est vrai que j'ai envie de demander pourquoi il n'a pas porté plainte contre ce pasteur directement, après la mort de sa sœur aussi, pour non-assistance à personne en danger. En fait, Rosalie... C'est vous qui allez peut-être mieux nous expliquer. Rosalie, ça me donne le frisson. Oui, justement. Ça me donne le frisson et voilà des sujets sur lesquels le ministre d'administration territoriale, qui est la tutelle de ces églises, doit mettre les pieds dans les plats. Et activer le moulinex. Que d'aller poursuivre les APT, APC qui n'existent pas. Voilà les sujets importants. Notre société camerounaise est en mal de repères. Voilà quelqu'un qui se présente comme pasteur, qui se rend complice et coupable des faits d'omission de porter secours, du délaissement d'incapables, et qui admette une foule d'individus qui ont un cerveau larvé. Je ne comprends pas aujourd'hui au Cameroun. Et il va falloir que de l'ordre revienne dans les autorisations données aux différentes églises. Les citoyens du Cameroun, c'est vrai que du point de vue politique et de la sociologie politique, ça aide à endormir les masses, à éviter d'être critiques face à la situation difficile du pays. Parce que autant vous avez des églises, autant vous avez des pasteurs qui diront « Votre paradis est céleste, vraiment, ne vous occupez pas, s'il y a des tournements à gauche, s'il y a une route qui ne va pas, c'est Dieu qui viendra agir, notre paradis c'est l'éternel. » Il faut redonner au Cameroun sa force. Et les églises contribuent grandement à faire abandonner la chose publique et à attirer une grande masse dans le sommeil. Heureusement qu'il y a un prêtre, le père Lado, qui au moins s'est réveillé pour comprendre que la mission de l'église n'est pas d'endormir les citoyens, masses. Mais c'est de réveiller les masses. Voyez-vous, vous avez évoqué ce cas. Il y a des pasteurs que quand ils sont malades, les chrétiens cotisent pour les soigner. Mais quand les chrétiens sont malades, ils sont dans la prière. Et ça peut paraître amusant. Il y a des maris, des mariages aujourd'hui qui sont séparés parce que le mari qui a vécu sereinement avec son épouse pendant 3, 4, 5, 6, 10 ans est devenu le démon aujourd'hui parce que le pasteur a dit qu'il y a un mauvais esprit chez le mari. Vraiment, il faudra que le ministre de l'administration territoriale, patron de ces ministres de culte-là, remette de l'ordre. Si pour l'instant, ces églises aident le Cameroun à être dans le sommeil profond et qu'on s'en fout de savoir ce qu'il y avait avant, que avant il n'y avait rien, que tout était bon, vraiment ça ne marche pas. Donc vous avez l'impression qu'avant tout était bon? Mais puisque ces églises aident à comprendre que avant tout était très mauvais, c'est maintenant que c'est très bon et que c'est le paradis céleste. Est-ce que ce n'est pas excessif de dire toutes ces églises? L'expression peut-être aurait été certaines églises, parce qu'on ne peut pas prendre toutes les religions, on met directement dans le même panier. Rosalie, avec votre permission, j'aime quand on m'en prenne l'argent par les mots. J'assume. Je ne suis pas en train de vous prêter les mots. Hein. J'ai posé une question. J'assume ça pleinement parce que, voyez-vous, de tous les côtés, il n'y a qu'au Cameroun aujourd'hui qu'on peut dépenser 100 millions pour aller construire une église, alors qu'à côté, il y a un hôpital qui manque les médicaments. Et on vole l'argent. Bon. Il faut compléter. Donc, il n'y a que peut-être aller mise en encore l'honnêteté d'utiliser à bon escient l'argent. À chaque 100 mètres, à chaque 500 mètres, il y a une église. Au lieu de créer les écoles, des spécialisations, on crée des églises. Voyez-vous, c'est vrai qu'il existe un divin. Mais avant d'arriver au paradis céleste, il faut d'abord vivre la réalité. Son enfer terrestre. Et moi, je préfère la liberté en enfer que l'esclavage dans les cieux. C'est un choix. Pierre Blériot, votre regard sur cette dénonciation que nous propose Bernardo Basson ce matin. Non, je ne dirais rien sur les nouvelles églises et même les anciennes. J'en ai déjà suffisamment dit. Chez moi, personne ne va dans ces choses-là. Le jour où une de mes femmes tente, dès que tu pars le premier jour, c'est la fin de ton mariage. Donc, tu n'as même pas deux jours à aller. Tu ne pars même pas. Il n'y a pas ça. Bon,
Mais je reproche à ce monsieur d'avoir laissé sa soeur mourir. Bien sûr. Il s'y est pris trop tard pour amener ma soeur à l'hôpital. Je ne vais pas la demander à quelqu'un. Mais moi, je vais demander à qui? Si je te trouve même là-bas, je crois que le pasteur a choisi la maison. Peut-être. Oui, oui. Ou peut-être. Parce que quand tu as une réputation comme la mienne, un pasteur ne peut pas venir chez toi. Moi, il y a un pasteur qui me chasse du corps de l'une de mes enfants. Mais il chasse étant loin. Ne peux pas, tu ne peux pas te surprendre chez moi. Te surprendre, non, non, non. Tu ne peux même pas venir, puisque c'est la maison du démon. Si tu viens là-bas, tu vas voir le démon. Ça, c'est clair. Donc, si ce monsieur a tué sa soeur, c'est lui qu'on doit accuser de délaissement d'incapable. C'est lui le monsieur. Il s'en va se référer à... Au pasteur. Bon, je ne sais pas. Un individu d'une autre espèce pour amener sa soeur à l'hôpital. Et quand il sort même avec la voiture, si on pouvait encore... Au lieu de marcher sur les cancrelats qui bloquaient... Il s'arrête. Pourtant, il a quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Ces gens-là qui se tenaient là, il les aurait cognés que ça nous aurait épargné de beaucoup de personnes qui dérangent. C'est clair. C'est-à-dire qu'il devait les cogner sérieusement. Maintenant, quand il part même taper le pasteur, on dit qu'après avoir tapé le pasteur, il vit toujours. Toutes ces choses, il ne fait pas les choses bien. Il n'achève pas ce qu'il fait. Œil pour œil, dent pour dent. Donc il aurait dû... Tu m'as... Œil pour... Le jugement dernier, on sera tous devant Dieu. Chacun va demander pardon là-bas, puisque Dieu est miséricordieux. Mais entre-temps, on règle nos problèmes ici. Tu tues ma soeur, tu passes. Non, il ne faut pas... Vous voyez, ces gens-là, ces gourous, se prennent un peu trop la tête. Je suis passé quelque part récemment, Rosalie, j'ai trouvé un couple d'enseignants d'université. Vous savez, un pasteur a réussi à enlever la femme du mariage. Toute une enseignante d'université. Quand on vous embrigade dans ces choses-là, votre raisonnement logique, vous le perdez. Hein? La première arme qu'utilisent ces charlatans, c'est qu'on vous dit que le raisonnement humain est interdit par Dieu. C'est faux! Dieu nous a créé un cerveau là. Rosalie, dès que quelqu'un te dit que le raisonnement humain est interdit par Dieu, il ment. Des gens qui conjuguent des adverbes deviennent des gens qui enseignent des choses. Quelqu'un dit « je suis sûrement ». Alors, c'est lui qui enseigne. Pourquoi Dieu ne t'a pas inspiré le bon français? Donc, moi, je ne joue pas avec les gens. Mais moi, je vois que, bon, de toutes les façons, ceux qui accueillent ce genre de philosophie, dans d'autres pays, on a vu hein, des groupes religieux mystiques qui ont amené à une mort commune, les ouailles. Au Kenya. Okay. C'est-à-dire, on vous dit que maintenant, c'est l'Armageddon, on doit tous mourir. Ils se sont même brûlés. Le pasteur n'est pas là. Hein? Donc, mais le pasteur, lui, ne brûle pas. Lui, il est hors de là et puis il voit ce que le Seigneur... Mais c'est des gens hyper dangereux. Dans la maladie, on a un petit groupe religieux qui a disparu, qui réapparaît ces derniers temps, qui enseigne, par exemple, qu'il ne faut pas faire de transfusion sanguine. Des choses de ce genre. J'ai perdu une tante parce que ma famille maternelle du côté de ma grand-mère est de cette religion-là. Mais la tante, elle est morte à l'hôpital parce que tout le monde s'opposait à la transfusion sanguine. Bon, j'étais très jeune à l'époque. C'eût été aujourd'hui qu'on aurait réglé ça autrement. C'est-à-dire, j'aurais fait bastonner toutes mes tantes et on aurait fait la transfusion sanguine. On vous bastonne, on vous met dehors et on fait la transfusion sanguine. Vous voyez? Quand la personne est sauvée, elle comprend non, donc... On peut discuter. Elle comprend la réalité de la vie. Parce que vous la laissez mourir, elle ne va plus comprendre. Et ses enfants et autres, on vous bastonne, on vous met de côté, on fait la transfusion sanguine. C'est vrai que cette affaire de croyance dans l'église, il y en a chez qui ça atteint quand même, je ne vais pas dire la folie, mais aussi totalement. Mais ce monsieur, pourquoi avoir attendu? Est-ce qu'on est obligé de venir demander à un pasteur la permission d'amener son malade à l'hôpital? Si Dieu n'a pas inspiré les médecins et autres, on n'aurait pas les hôpitaux, pasteur, apôtre Charlemagne.
Oui, dans le Nouveau Testament, quand on rencontre le mot médecin, c'est quand Jésus lui-même emploie ce terme en disant que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Voilà, donc c'est le premier à employer le terme médecin dans le Nouveau Testament. La deuxième personne à employer le terme médecin dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Dans le livre de Colossiens, chapitre 4, le verset 14, où il dit que Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Donc, le rédacteur de l'évangile selon Luc était un médecin. Donc, Dieu n'est pas contre la médecine. Dieu n'est pas contre l'hôpital. Bon, mais maintenant, ça dépend des croyances. Moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça va déjà, j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 15 ans. Depuis, je ne suis jamais allé à l'hôpital. Donc, je ne sais pas ce qu'on appelle transfusion sanguine. Non, il veut dire qu'il n'est pas tombé malade. Non, non, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. On vous a interdit l'hôpital? Non. Vous n'allez pas seulement parce que vous êtes en bonne santé. Oui, je suis à bonne santé. Dans votre groupe, d'autres vont à l'hôpital. Bien sûr. Ah bien, parce qu'il fallait lever l'ambiguïté. Bien sûr, moi-même, je conduis les miens. J'ai perdu tout un magistrat président du tribunal. Je conduis les miens à l'hôpital. Certaines églises. Dans mon répertoire, j'ai des amis médecins, j'ai des amis infirmiers. Quand il y a un problème chez moi, je prie. Et ensuite, je peux appeler. Je peux appeler un médecin pour demander quand même conseil. Voilà un enfant qui se comporte comme ça. Donc, vous n'amenez pas vos enfants à l'hôpital. Je prie d'abord. Ensuite, je l'amène. Bon, maintenant, cette situation est à décrier parce que j'avais eu ce problème quand j'étais à Koutaba. J'étais dirigeant de l'église de la mission du plein évangile de ce côté-là. Il y avait une église, justement, qui prêchait contre le fait d'amener les malades à l'hôpital. Et j'étais parti rencontrer personnellement ce pasteur pour lui demander de me montrer le passage dans la Bible qui interdit, n'est-ce pas, aux malades d'aller, n'est-ce pas, dans les hôpitaux. Et il n'a pas pu produire le message. Je lui ai dit, vraiment, il y a beaucoup de choses à prêcher dans la Bible. Donc, on ne peut pas être en panne de message. Et j'ai suivi monsieur Niemek. Dit tout à l'heure que bon, des pasteurs qui ne s'en sortent même pas en français, et comment est-ce qu'ils se retrouvent en train d'enseigner? Je voudrais lui faire comprendre que quand Jésus était venu sur la terre, justement, il y avait des intellectuels, il y avait beaucoup de savants, mais il est allé vers les pécheurs, comme les André, comme les Simon, et ainsi de suite. Il n'a pas recherché véritablement ces intellectuels-là. Il n'est pas allé chercher le docteur de la loi. Parce que c'est vraiment difficile. Qui vous a dit ça? Non, justement, c'est ce qui se passe. Regardez la première persécution, puisque en ce moment, à l'église, j'enseigne sur les actes des apôtres. Regardez la question que pose le souverain sacrificateur à Pierre et à Jean. Il demande, est-ce que vous avez été à l'école? Non. Mais comment vous retrouvez à l'école? Été à l'école? Qui? Luc. Non, Luc, je ne parle pas de Luc ici, mais je dis que c'est un mélange de tout. Donc vous voulez dire que c'est bien de ne pas aller à l'école? Non, ce n'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Je voulais dire clairement que on ne peut pas dire que parce qu'on n'est pas allé à l'école, on ne peut pas être pasteur. L'école a dépassé qu'on n'est pas allé à l'église, c'est ça qui est bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, monsieur Yemek. Jésus est allé chercher André dans sa base. Si il n'est pas allé dans des grandes écoles, il ne doit pas de la loi pour aller chercher. Non, il n'y a pas l'église. Si quelqu'un n'a pas été à l'école, il ne doit pas enseigner les choses de l'école. Les choses de l'école comme quoi? Mais comme enseigner la Bible? Vous avez appris à l'enseigner où? Vous pensez que vous l'ouvrez, vous commencez à l'enseigner? Non, la Bible n'est pas ce que vous croyez. Elle est quoi? Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de quoi? C'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de quoi? Donc voilà pourquoi vous voyez, aujourd'hui vous êtes tellement... Parce que depuis que vous parlez là, moi je vous écoute, on n'a jamais suivi que vous avez envoyé quelqu'un par exemple à l'hôpital, mais vous menacez, vous pouvez être en prison. Que j'ai envoyé quelqu'un à l'hôpital? Oui, peut-être après l'avoir bastonné ou bien vous voulez que je dise ça ici? J'ai des procès en cours, vous voulez que je dise ce que j'ai fait? Non, tant qu'on vous a pas enfermé, c'est que c'est pas sérieux, monsieur Niemek. On ne le fait pas. On doit savoir que la Bible a sa manière de parler aux gens. Et quand certaines personnes ont compris le message, ils sont obligés de pratiquer ce message-là. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais là aussi, à interdire à quelqu'un d'aller à l'hôpital, même quand sa famille s'approche de vous pour vous dire, on veut amener notre membre
à l'hôpital. Elle vous écoute. Qu'est-ce que vous faites? Mais donnez la permission. Dites à la personne, puisque vraiment, je trouve même, c'est là que je vous rejoins, monsieur Mohamed, je trouve maladroit le fait que ce monsieur ait perdu du temps. J'ai perdu du temps pour amener ma soeur à l'hôpital. Je n'ai pas besoin de consulter quelqu'un. Rosalie. Je n'ai pas besoin de demander la permission de quelqu'un. J'arrive là, je garde le véhicule, je fais sortir ma soeur, je l'amène à l'hôpital. Tout simplement. Rosalie. Donc, quand vous regardez ce qui se passe là, tout à l'heure, là, moi, j'étais tranquille quand vous étiez en train de parler. Laissez-moi aussi parler. Vous avez fait presque le procès de l'église ici. Je ne disais rien. Ce n'est pas parce que ce que vous étiez en train de dire était très pertinent. Donc, laissez-moi parler pour dire que je dénonce aussi le fait que certains pasteurs exagèrent. Certains pasteurs exagèrent. Quand vous avez la foi, oui, quand vous avez la foi pour ne pas tomber malade, comme c'est le cas pour moi, ça n'interdit pas que ma femme soit malade, ça n'interdit pas que mon fils soit malade. Vous ne permettez pas de manière séminale la foi à votre femme. Ça ne se transmet pas comme ça, monsieur Niamey. Il n'y a pas de transmission séminale de la foi. Non, ça ne se transmet pas comme ça. Donc elle ne croit pas. Elle croit. Mais la foi, il y a des niveaux et des niveaux. Moi, j'ai atteint un niveau où je ne peux pas. Ça ne peut pas m'arriver. Oui. Mais elle est encore en train d'avancer. Voilà pourquoi si c'était quelque chose qu'on pouvait transmettre, je transmettrais à ma femme volontiers. Voilà. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, à l'église, moins de choses, on accuse l'église. Vous pouvez même voir comme ça, c'est ce monsieur qui est parti entrer dans une secte diabolique. Voilà. Et en placé comme une marchandise. Oui, voilà. Il a utilisé le reflet. Comme vous avez vu hier, vous voyez, il y a des gens qui cherchent toujours l'opportunité pour accuser l'église. Vous allez voir, l'un des premiers persécuteurs de l'église qu'on a connu à Rome, avait justement brûlé lui-même la ville pour venir accuser les chrétiens. C'est ça. C'est justement ce qu'on passe le temps à faire tout le temps. Et vous voyez, aujourd'hui, on envoie le Moulinex vers les... En tout cas, monsieur le Moulinex lui-même sait avec qui il peut faire ce genre de choses. Pas avec vous. Il ne peut pas faire ça avec nous. Le plein évangile. Pas le plein évangile. Pas le plein évangile. Il ne peut pas faire ça avec nous. D'accord. Si le président Paul Biya qui l'a nommé là, ne veut pas qu'on combatte l'église, c'est parce que lui-même, il sait que quand on combat un vrai homme de Dieu, ce n'est pas cet homme-là qu'on combat, c'est Dieu qu'on combat. Oui, Bernardo. Et on reçoit le salaire cash. Vous clôturez cet échange. Hein. On va noter quand même qu'il y en a qui pensent qu'il faut que Tangandi contrôle ses églises au Cameroun pour peut-être faire le tri, se débarrasser de ce qui gêne, bien entendu, qui peut nuire à la population. Et il y en a également qui pensent que ce monsieur aurait dû tabasser à mort ce pasteur pour éviter qu'il ne nuise à une autre famille par la suite. Ben aujourd'hui, il fait face à un procès. Vous êtes juriste. Comment il peut tirer son épingle du jeu dans cette affaire? Non, la question du procès va être réglée par le juge de jugement parce que c'est clair qu'il s'est rendu coupable de coups, blessures, voies de fait éventuellement. Il y a, même s'il y aura des circonstances atténuantes, c'est très possible, vu le contexte, c'est quand même clair que après l'enquête et éventuellement l'instruction, parce que ce n'est pas obligatoire en matière de délit, donc c'est clair qu'il peut être condamné. Mais à la vérité, il faut quand même dire des choses vraies. Et je m'adresse là à certains pasteurs, pas à tous. Prendre sur vous de dire que vous allez guider des masses, guider des foules, guider des humains, après 2 ou 3 ans d'apprentissage de la Bible, relève d'une bêtise invétérée. Vous ne pouvez pas vous lever, prendre sur vous de suggérer aux gens un chemin spirituel avant vous-même d'avoir suffisamment appris et de vous être suffisamment éduqué et éveillé sur les questions religieuses ou spirituelles. Aujourd'hui, on voit, je prends un exemple. Moi, je suis pas chrétien, vous le savez. Mais les prêtres, par exemple, de l'Église catholique, vous savez combien de temps ils passent dans les grands séminaires, les petits séminaires. Ça veut dire que... légitimer l'homosexualité à Mondovision. Après toutes ces années-là, on a étudié le droit canon, on a fait ceci, cela, pour venir maintenant dire qu'un homme et un homme peuvent se marier. Vous voyez ça, logique. Je connais plein de pasteurs homosexuels. Donnez les noms. Donnez les noms. Vous parlez, vous, mais je vous ai pas dit. Donnez les noms. Vous me laissez parler.
Un pasteur est lumineux, il est éclairé, il est pondéré, il ne s'excite pas. Moi, je peux m'exciter, moi, je ne suis pas pasteur. Mais vous avez le droit de vous calmer. Voilà. Vous voulez nous enseigner la Bible, vous voulez nous enseigner dans les vrais travaux spirituels, Rosalie, les personnes qui décident de se placer pour enseigner prennent un certain temps, une certaine rigueur, une certaine discipline pour se former avant de se lever pour parler aux autres. Dans l'une des dérives de ce mouvement de réveil, c'est que quelqu'un se lève aujourd'hui et 6 mois après, après 2-3 lectures, imposition des mains, tout ce que vous imaginez, et il se met à enseigner les gens. Ils font comme les mototaximans. Justement. Dès que tu achètes la moto, tu dis à ton frère, garde l'équilibre. Dès qu'il peut garder l'équilibre, tu lui dis, allez, demain. Et donc, c'est ça qui conduit aux dérives que vous voyez là. Deuxième chose, si vous êtes dans votre famille, un de vos proches rentre dans l'église de réveil et vous voyez son comportement clairement se modifier. Parce que moi, j'ai un ami, son père est même pasteur. Il est sur le chemin de devenir pasteur. Mais vous ne voyez pas en lui des comportements décalés, des comportements dépravés, une sécheresse mentale aboutie, une misère intellectuelle probante qui font de lui un être qui est complètement asséché, desséché, raboté ou robotisé. Non. Il s'appelle Souk Dali. Il est à Mimboman. C'est mon ami d'enfance. Son père est pasteur, monsieur Dali. Mais c'est les gens qui sont encore intègres, vous voyez. Sauf que si vous avez un proche... Justement, le détail que je voulais soulever tout à l'heure. Non, tous ne sont pas pourris. Si vous avez un proche qui entre dans cette église et que son comportement change, je vous dis, soit il quitte ce milieu, soit votre relation s'arrête. Monsieur le mec l'a très bien dit. Moi, je suis avec une femme. Parce que moi, je vais avec les femmes, pas avec les hommes, comme certains pasteurs ou prêtres. Si je suis avec une femme et elle me dit, moi je suis dans l'église, elle te dit, maman, tu sors de là où on se sépare. Si tu ne veux pas sortir de là, on se sépare automatiquement. Parce que là-bas, elle aura un passage biblique qui la soutient. Si le non-croyant décide de se séparer, ben vous vous séparez. Pasteur, ça ne sera pas la fin du monde. Révérend, si moi je suis pasteur de votre femme, vous me mettez à je te donne le nom de mes femmes, tu essaies d'être pasteur d'une de mes femmes. Pasteur, si tu viens dans nos éditions. Pasteur, écoutez, calmez-vous. C'est la Bible qui le dit. Si le non-croyant décide que ce mariage est terminé, c'est que c'est terminé. Viens seulement prêcher chez moi. Allez-y. Un pasteur est beaucoup plus calme, et vous le savez. Vous êtes trop excité pour un pasteur. Or, vous êtes censé être lumineux. Rassurez-vous, j'en connais beaucoup qui ne sont pas mourants quand ils parlent. Voilà. Ça veut donc parce dire que... Parce que pour prêcher devant, il faut beaucoup d'énergie. Je peux parler pendant 2 heures. Pas de l'excitation. Avec beaucoup de... Ce que je veux dire, c'est que quand, honnêtement, permettez-moi de vous dire ce que je vais vous dire. Ça peut être choquant, mais c'est la vérité. Quand on parle actuellement de spiritualité profonde, il n'y a pas 5% de pasteurs qui ont le droit de parole parce qu'ils ne connaissent rien. D'accord. Je dis bien, ils ne comprennent rien. Non, ils peuvent vous donner raison. Rien. Ils sont naïfs. Chez les prêtres eux-mêmes, à partir des évêques, il y en a qui ont appris profondément, qui se sont formés et qui peuvent ouvertement parler des choses transcendantales qu'ils ont comprises. Mais qu'ils ne font pas. Mais qu'ils ne font pas pour d'autres raisons. Mais beaucoup de petits pasteurs, là, Rosalie, je vous dis la vérité, ne peuvent pas. Monsieur Niemexi, s'il s'assied par exemple avec un pasteur pour parler de spiritualité, il va rien dire. Pareil pour moi humblement. Il va dire parce qu'il ne comprend rien. Vous êtes tombé d'accord au moins ce qu'il y a un bon pourcentage de pasteurs 95% qui ne comprennent rien. Ce que nous pouvons constater, c'est que partout, de la Bible. Partout, il y a des bandits, Rosalie. Pour moi, si j'étais le supérieur hiérarchique de ce pasteur, je l'aurais tout de suite mis sous discipline. Ce monsieur, le frère de la dame, est blâmable de bout en bout. Voilà. Je lui ai dit au téléphone, je sors par là, que si votre enfant, votre femme, votre soeur est malade, l'avis du pasteur n'est même pas à convoquer. Vous vous mobilisez pour lui accorder ce qu'il y a comme traitement autant que faire se peut. Maintenant, je peux vous comprendre parce que vous ne vouliez pas la brusquer. Mais sachez qu'il y a des gens à protéger contre eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils sont en train de vivre. Et par rapport aux filles également, je lui ai dit, vos nièces qui m'appellent avec vous au téléphone là, elles sont à blâmer. L'aînée a 27 ans, la seconde a 24 ans. Elles sont assez grandes pour prendre soin de leur mère et emmener leur mère alors que leur père est décédé. Elles ne l'ont pas fait. Elles sont également blâmables. Et pour le pasteur, je pense comme M. Niemek, que le monsieur là, qui s'appelle Charles,
je pense qu'il a été, il a été tendre, il a raté. Il a un peu raté. Donc normalement, qui a tigné Ndom, Bangandom, donc t'as dit. Il te gère bien. Parce que là, c'est ce qu'on appelle le retour. Mais pas bien. Bon, c'est pas bon de tuer aussi. Non, j'ai pas dit tuer. Moi, j'ai dit gérer. Mais il a bien géré. C'est un gérant qu'on tue. Il n'a pas bien géré. C'est un gérant qu'on tue. Il a géré plus. D'accord. On a de gros soucis avec le net ce matin. Donc, tous nos amis de WhatsApp ont beaucoup de problèmes. On va donc faire plaisir à ceux qui écrivent par SMS parce que ça passe quand même les SMS, même si ça bloque aussi un tout petit peu. Je ne sais pas ce qui se passe avec le net ce matin. Donc, pour ceux qui ont réussi à traverser la barrière des messages, bonjour, j'aime bien votre émission Espace Miné, c'est vraiment super ce matin. C'est Cathy qui nous écrit depuis Bolova. Bonjour à vous sur le plateau. Nous avons aimé et apprécié les points de vue de M. Addo. Que son âme repose en paix. Par ailleurs, mon souhait serait que M. Eto'o se rapproche de M. Niemek pour profiter de sa sagesse naturiste. Bon, je suppose qu'il voulait dire maturiste. Bonjour le panel d'Info TV. Concernant la dénonciation de ce matin, ce type n'est aucunement pasteur mais un grand charlatan. Mon papa est pasteur et médecin et il sait distinguer le spirituel et la médecine. N'oublions pas que la Bible elle-même déclare que le peuple périt par manque de connaissances. C'est Michel depuis Méo. Bonjour, c'est Pascaline de Mbalmayo. Ce pasteur n'est pas sérieux, ça c'est d'un diable. Bonjour Rosalie, sorry de vous écrire par SMS. Il n'y a pas de souci, la connexion dérange. D'ailleurs, je viens de faire la remarque. S'il vous plaît, dites un peu à votre apôtre que de cesser d'opposer Samuel Eto'o à Onana. Ça devient même déjà quoi dans ce pays? Est-ce que les gens s'en rendent compte qu'ils ont opposé Roger Mila à Abel et après Roger à Samuel Eto'o et après Samuel Eto'o à André Onana? Après, ça sera Onana à qui? Et même si Eto'o et André ont des problèmes, laissez-les entre père et fils. C'est à depuis Essos qui nous écrit ce matin. Bonjour au panel, juste pour dire, voilà, je suis d'accord avec Bernardo, Jésus s'est formé de l'âge de 12 à 30 ans, cette période de vie a été cachée. C'est José Kedi depuis Yaoundé, juste pour dire que les bonnes religions ont toujours des hôpitaux ou centres de santé. Par exemple. Hein. Bonjour à vous sur le plateau. L'hôpital n'est pas interdit dans l'église. Point final. Que Dieu vous bénisse. Bonjour le plateau. Pour la dénonciation, je dois dire que dans ces églises, les pasteurs commencent par dire aux fidèles qu'on ne juge pas l'homme de Dieu, de peur d'être maudit. Ça, c'est le lavage du cerveau. Ils sont les plus riches dans l'église de ces pasteurs. Les fidèles sont les plus pauvres. Herman, depuis une croix. Vous avez beaucoup d'adeptes. Hein. Bonjour. Vraiment, ces églises font des morts dans notre pays. Les témoins de Jéhovah n'ont ni école, ni hôpital, mais refusent la transfusion sanguine. Même pour une rupture de la rate et des grossesses extra-utérines, j'en ai transfusé beaucoup pendant des interventions chirurgicales. Vraiment, il faut les interdire. Dans le cas du défunt Abdoulaye Addo, vraiment, je me réserve. Avait-il fait des reproches à la gestion de Mbombo Njoya, ceci par équité Il est musulman, je préfère m'arrêter là. Alain de Douala. Bonjour. Bon, salut, oui, on a salué. Bonjour le plateau. Pour la dénonciation, je dois dire que dans ces églises, les pasteurs, oui, je crois que vous l'avez envoyé plusieurs fois. Niemek va me tuer des rires, blague à part. Dieu existe vraiment, mais le peuple a faim de miracles à cause des réalités de la vie. Surtout ici au Cameroun où l'on estime qu'il n'y avait rien avant. C'est Dobby depuis Minganga qui nous écrit. Bonjour Madame Rosalie, à ton panel. Ce pasteur n'est qu'autre chose qu'un gourou. Il empêche que son chrétien parte à l'hôpital. Lui va faire quoi à l'hôpital après la bastonnade? Après la bastonnade. Voilà. Là, Dieu ne lui a pas, ne lui a rien dit pour lui-même. Ah, personne n'a vu ça venir. Hein. Bonjour Rosalie, à ton magnifique panel. Très belle présentation de l'émission ce matin avec la note de 18 suivant. Tu as le sac. Vous avez dit de ne pas m'appeler. Les sacs de modération. Il y a un sac de modérateur qui est avec vous. Juste pour un souhait de bonne guérison à Parfait Haïti, Abou Adamo depuis Garoua. Merci beaucoup. Je crois qu'il a écouté. Bonjour à vous le panel. Je voudrais le numéro de Bernardo. C'est Christelle depuis Simalène. Salut les démineurs, merci à Blériot pour avoir pas inséré son nom dans celui de ses enfants. Si lui, le Cameroun serait rempli de Niemek, boulanger de son état, au nom de Pijapoma. Bonne émission.
Bonjour à vous, bonjour à vous, Abdoulaye était quelqu'un de très appréciable, un intellectuel constant. Il n'est pas comme un certain professeur qui passe sur votre plateau les dimanches, qui hier disait A et aujourd'hui B. Vraiment, Rosalie, vous avez perdu un homme intègre. Bonne émission à vous. C'est le docteur Landry Nkwa, Rosalie, j'ai un message qui pour nous vous. Écrit. Bonjour, s'il te plaît, dis à Rosalie qu'elle est un génie dans l'animation. Elle est le sac Chanel de l'animation. Ouh. Mais je sais pourquoi il écrit comme ça, parce que c'est mon frère, on se connaît en détail. Comme pour dire quoi? Ah. Il a en même temps, comme toi, tu as dit que tu n'es plus mon sucre, je peux en trouver un autre. Hein? Il est très vite. Voilà, voilà. Il faut que je trouve un autre. Tu as déjà refusé d'être mon sucre à Mondo Vision. Ça veut dire que je suis au carrefour. Il faut bien que je me cherche. Donc, Jésus, avec quel diplôme, monsieur Niemek? C'est Calvin. Oh mon Dieu, depuis qu'ils ont compris que c'est rien que par SMS, mais tout le monde sait. Ils n'ont pas compris. Bonjour à vous. 18 ans d'études, non? J'ai toujours été d'accord avec monsieur Blériot, mais ce jour, si je suis pas d'accord, dis-lui de ne pas naviguer là où c'est pas son domaine. C'est Koundé qui nous écrit depuis Gras. Quel domaine? Garoua. Voilà, il parle de religion. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites à votre apôtre que la Bible parle de Jésus de sa naissance jusqu'à 12 ans. Après, il disparaît et revient à 30 ans et il va mourir à 33 ans. Où était-il de 12 à 30 ans? Il était à l'école avec les grands sages et tout ce que ces gars partent à l'école pour éviter cette dérive. Merci, je suis la lumière. Oui, c'est la parole à je la suis parole. La lumière de Dieu en Gousso. Ok. Mm-hmm. La lumière de Dieu. Un gousseau. Okay. Dans un quartier pas loin de Vougada, deux grandes églises à hauteur de milliards de francs pour contrôler les consciences. César, depuis Vougada, vous êtes très nombreux à avoir compris maintenant. Vous vous déversez sur les messages, sauf que moi, je dois poursuivre cette émission. On va passer à la phase des échanges. On va un tout petit peu analyser ce matin. Voilà, nous sommes toujours en direct d'Info Télévision. L'émission, c'est Espace Miné, de lundi à vendredi, entre 10 et 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Et ce matin, nous allons échanger autour d'un sujet qui nous interpelle. On parle du pouvoir judiciaire au Cameroun. On interpelle surtout le rôle de l'avocat dans cet environnement-là. Déjà, je ne veux pas dire failli dire maître. Dieu donné Tédissé. On va commencer par planter le décor déjà de ce que représente le pouvoir judiciaire au Cameroun, et puis parler un peu de l'avocat pour faire le rapprochement entre les deux. Rosalie, au Cameroun, parler de la justice, c'est pratiquement entrer dans un labyrinthe. Mmh. Voyez-vous, le comique, quel que soit le temps qu'il met au sein du palais, il ne devient pas membre du palais. C'est automatique. C'est un monde fermé, très fermé. Mais sauf que au jour d'aujourd'hui, quand on parle à la justice au Cameroun, on voit pipe les tribunaux. Mmh. Et on a l'impression que ce sont les tribunaux qui font d'abord la justice. Mais pourtant, en arrière-plan, il y a la carrière des juges et des magistrats qui occupent un point assez important. Et donc, du coup, le Conseil supérieur de la magistrature, qui fait et défait les magistrats, devrait pouvoir retrouver une très grande réforme afin que le premier président de la Cour suprême soit le président du Conseil, le rapporteur, le procureur général, le ministre de la Justice, secrétaire général. Cela va permettre à la justice de retrouver toute sa force. Ça va éviter les situations comme celles qu'on a eues dans l'affaire de votre collègue Martinez Ogo, où les ordonnances sont signées, après ça devient le fait, ainsi de suite. Il faut pouvoir rétablir toute l'indépendance de la justice en réformant ce Conseil supérieur de la magistrature. Mais au-delà, vous parlez de l'avocat. L'avocat est au cœur de la justice parce qu'il assure la défense des droits de celui qui est mis en cause et parfois la personne qui poursuit, c'est-à-dire le plaignant. Il faudra qu'au Cameroun aujourd'hui, parce que moi je préfère parler de solutions, que pour devenir procureur, qu'on ait été avocat au moins pendant 5 ans. Que pour devenir juge, qu'on ait été procureur pendant 10 ans. Et que quand on devient juge, on devient inamovible. Qu'on affecte plus les juges. Et qu'en retour, qu'il y ait un juge de la mise en état des dossiers et un juge de l'application des peines. Pourquoi je parle du juge d'application des peines?
je n'ai pas de parti pris, je ne les connais pas personnellement. Vous avez aujourd'hui des cas comme M. Fondi Dam qui sont en prison et qui sont les pères du chantier naval du Cameroun. Mmh. Tout à l'heure, le journal faisait part de ce qu'il y a des bateaux qui battent pavillon camerounais et qui sont des bateaux fantômes. Quelqu'un de ce calibre, qui est un technicien de haut vol, qu'est-ce qu'il fait en Konengi? Au lieu d'être condamné à faire des travaux d'intérêt général dans le cadre du chantier naval pour lequel il est parti à l'école pour se former. Donc du coup, il y a une réforme assez importante au niveau de notre justice. Et en dehors de cette réforme, il faut également voir au niveau de l'enquête préliminaire. Il faudra ramener la police judiciaire au ministère de la Justice à travers un bureau national d'investigation. Parce que voyez-vous, si de façon structurelle et fonctionnelle, les OPJ dépendent sur le plan de la carrière de leur corps d'origine, et sur le plan professionnel du ministère de la Justice, vous aurez des situations où le ministre ou le procureur ou les autres vont donner un ordre à un OPJ, gendarme, maréchal, logis et tout ce que vous voulez, et qui va retarder à exécuter parce qu'il attend d'abord l'ordre soit du CEL, soit du DGSN. Ça fait un certain cafouillage qui ne tient pas le coup. Donc nous, au PCPDC, le Parti Camerounais pour la paix, la démocratie et la constitution, nous estimons qu'il faut reformer la justice à travers le Bureau national d'investigation, loger au ministère de la Justice de façon structurelle, ramener la direction de la justice militaire au ministère de la Justice. C'est un élément très important. Parce que voyez-vous, la justice élève une nation. Elle élève une nation. Je passe au contrôle de la peau. Une nation qui n'a pas de justice assez solide. Si un magistrat a un dossier pour lequel va traiter avec la peur que demain le futur conseil supérieur de la magistrature va le gommer ou bien va retarder sa carrière parce que ça pose problème. Si vous reformez aujourd'hui le conseil supérieur de la magistrature en faisant que le premier président de la Cour suprême soit président du conseil, le procureur général rapporteur, le ministre de la Justice secrétaire général, vous aurez donné au Cameroun une force d'une dimension inébranlable pour construire le Cameroun de demain. Vous avez d'accord. Donne-moi un peu 30 secondes, s'il te plaît. Je vais même te donner après, plus, parce que si je comprends bien, Dieu donné, Teddy C, lui, il a besoin d'une réforme totale du fonctionnement du pouvoir judiciaire au Cameroun. Oui, je disais 30 secondes, parce qu'eux, ils peuvent parler, parce que j'aurais mon temps de parole. C'est petit vous l'avez même déjà pris, bon, allez-y. Bon, monsieur Teddy, c'est vrai, il a plus pris la fibre politique. Mm. Vous avez compris. Mais le pouvoir judiciaire, tel que vous l'avez demandé, est un système institutionnel mise en place dans un État, dans une République, lequel veille à la bonne application des lois produites par le Parlement et promulguées par l'exécutif. Voilà la définition qu'on peut donner de manière globale. Oui. Donc, un système institutionnel qui veille à l'application des lois produites, donc des lois produites par le Parlement et promulguées par l'exécutif, chef de l'État. Maintenant, ce pouvoir judiciaire fonctionne sous forme de chaîne. Mmh. Et comme la chaîne se dispose, il y a des nœuds. Ces nœuds, donc, concernent toutes les personnes impliquées dans le système judiciaire. Vous avez donc la police judiciaire qui mène les enquêtes, police-gendarmerie. Vous avez les huissiers de justice qui sont, je ne veux pas dire des coursiers, mais qui agissent un peu comme des coursiers. Pas des coursiers. Les officiers ministériels. Vous avez des notaires qui sont dans la chaîne judiciaire. Vous avez des magistrats qui peuvent être procureurs ou juges. Vous avez des avocats. Donc, toute cette chaîne-là se met en place avec différents nœuds pour construire le pouvoir judiciaire. Donc, je voulais juste d'abord planter le décor que je demandais à M. Dieudonné Tédissé de faire. Et lui, il a plongé directement dans sa lecture. Politique des choses. Des choses. J'avais envie, comme on l'a dit dans le thème, de comprendre au milieu de toutes ces responsabilités, tous ces corps de métiers qui se retrouvent pour faire vivre le pouvoir judiciaire, la place qu'occupe l'avocat aujourd'hui. Aujourd'hui, avec votre permission... Oui, je reviens pour vous permettre de recentrer votre l'avocat, propos. L'avocat, lui, il occupe une place centrale. En fait, c'est le maître de la loi. Mm. Et il est pratiquement l'équilibre, le contre-pouvoir avec le parquet. L'avocat, c'est le maître de la loi. Le procureur, c'est le gardien de la loi. Et le juge, c'est l'arbitre de la loi. Voilà les trois positions. Et voyez-vous,
pour un État qui se veut prospère, qui prépare un certain grand changement, l'avocat est pratiquement au cœur du dispositif parce qu'il assure quand son client est mis en cause, la défense de ses intérêts et veille à ce que la grosse machine du parquet, toute puissante, n'écrase pas le client. Je le dis en d'autres mots, si vous permettez. Oui. C'est une affaire de juriste ce matin. Non, la justice, dans son volet institutionnel et organique, donc avec les magistrats, incarne la société dans un de ses aspects. Le justiciable l'incarne dans un autre aspect. Donc tu viens compliquer ce que non, je ne complique pas. C'est-à-dire, les juges sont d'un côté. Ils veillent à ce que la loi soit bien dite, bien appliquée, garantie. Les justiciables sont parfois ceux qui commettent des infractions. Mm-hmm. L'avocat est donc celui qui veille à ce qu'il y ait un équilibre entre ce que doit subir le justiciable et ce que doit administrer les juges. Est-ce que d'accord. Vous comprenez un peu? Donc, on a très bien compris. Ce qui m'amène à la question que je me pose. Quand ils sont corrompus, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a compris leur rôle. Voilà. C'est qu'ils doivent nous défendre, ils doivent s'assurer qu'on reçoit la juste mesure. Voilà. Et c'est qu'on doit assumer au cas où on pose des actes qui ne sont pas légaux. Tout à fait. Mais maintenant, quand ils sont corrompus, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils ne peuvent plus nous défendre. Parce que malheureusement, c'est ce qu'on croise aujourd'hui. Hein. Quand on a qui des est corrompu, avocats. L'avocat? Oui, on a des avocats, eux, de te défendre, pas te livrer. C'est compliqué, hein. C'est un point, en fait, c'est un pan du fonctionnement, puisqu'on c'est, parle des avocats. C'est compliqué. Ça arrive c'est que compliqué. Tu es ton avocat qui t'arrête à la salle du voisin. Madame Gézelet, vous savez, dans une histoire, quand vous avez déjà le terme client, ça devient compliqué, parce qu'à un moment donné, c'est au plus offrant. Ça veut dire que votre avocat peut facilement retourner sa veste. Oui, sa veste. Et maintenant, il travaille pour, au lieu de travailler pour vos intérêts, il travaille pour votre adversaire. Voilà, pour votre adversaire. Moi, c'est ce qui m'était arrivé une fois, mais moi, je n'ai pas perdu du temps parce que je n'ai pas voulu porter plainte de toutes les façons. Donc, j'ai laissé tomber l'affaire. Parce que moi, je sais d'abord qu'il y a un juge suprême, celui-là qui est dans les cieux, qui va juger les vivants et les morts. Bon, maintenant, quand le Seigneur, quand vous êtes dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un livre qui est consacré à cela, qui est appelé le livre des juges. Et vous allez remarquer que le pouvoir judiciaire, normalement, devrait être le premier pouvoir. Vous comprenez, Madame Gézelet? Oui. Normalement, c'est ça. Parce que dans une nation, c'est d'abord le juge. Quand le juge dit le droit, en ce moment-là, la nation sera bénie. Mais quand le juge ne dit pas le droit, ça devient un problème. Maintenant, quand on a des avocats corrompus, ça devient encore tout un autre problème. Parce que avec ces gens, vous allez vous rendre compte que on se retrouve dans un désordre pas possible. Ce sont eux qui recherchent des terrains à gauche, à droite. Ce sont eux qui parfois se retrouvent dans des situations compliquées avec leurs clientes. Ce sont eux toujours qui parfois se retrouvent. Donc finalement, on ne s'en sort pas. Voici pourquoi nous, par exemple, au Front démocratique révolutionnaire, nous pensons à la refondation de la justice. Parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas dans un état de droit au Cameroun. On peut le dire, les uns et les autres peuvent se positionner selon chacun, selon son pancréas ou bien selon son tube digestif. Mais sachant que c'est la justice qui bâtit une nation. Donc pour vous, ils sont très importants, même s'il y en a pour vous qui sont dans la dérive. Ils sont très importants parce que l'avocat par excellence, c'est le Christ. L'avocat par excellence, c'est le Christ. Donc nous qui sommes aujourd'hui croyants, nous savons que nous avons un avocat dans les cieux. Parce qu'en tant qu'humain... Donc un vrai justiciable, c'est qu'il a son avocat et qu'il est là pour veiller. Voilà, parce que moi aujourd'hui, je sais que quand je serai devant le trône blanc, mon avocat va défendre ma cause, qui est le Christ. Et c'est d'ailleurs pour cela que moi je pense que être avocat, c'est un métier noble. Et que j'encourage d'ailleurs beaucoup de jeunes Camerounais à étudier le droit, à devenir pourquoi pas des avocats pour pouvoir travailler dans le sens, amener le juge à dire véritablement le droit. Parce que c'est le rôle de l'avocat.
S'il ne peut pas amener le juge à dire le droit, je ne vois pas son rôle là. Voilà. On est quand même dans un dilemme, les avocats, comme ils le disent tous, très important pour la société, très important pour la lecture du droit au Cameroun, très important pour que fonctionne le pouvoir judiciaire au Cameroun, mais on doit reconnaître aussi en ce moment un tout petit peu controversé, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont l'impression que les avocats aujourd'hui ne sont plus totalement dans leur rôle, qui est pourtant très un rôle sur le plan de la société très important. Bon, dans une société comme la nôtre, où il y a un grand nombre d'illettrés, il faut d'abord dire que l'avocat est l'interprète de la parole du justiciable. Mm. Beaucoup de personnes... Ailleurs même, vous avez dans nos villages, là où il y a pas qu'on les appelle les mandataires. Oui. Voilà. Beaucoup ne peuvent pas... Nous, au Cameroun, par exemple, nous sommes jugés dans les tribunaux, en dehors du tribunal coutumier, toujours dans les langues que nous ne parlons pas bien. L'avocat est donc quelqu'un qui a été formé à bien parler aux juges, aux magistrats. Première chose. Deuxième chose, au Cameroun, les magistrats ne sont pas spécialisés. On a une formation générale. Les avocats sont de sorte de soutien et de béquille aux magistrats. Parce que les avocats, eux, ils sont spécialisés. Vous avez des avocats spécialisés en droit de pétrole, en ceci ou ça. Ça fait que dans des questions très techniques, et on l'a souvent observé, les juges prudents prennent du recul. Et beaucoup apprennent, beaucoup des avocats. Parce qu'il a dit, il craignait. Honnêtement, les vrais avocats ont une plus grande maîtrise du droit que les magistrats. C'est très loin. Bon, les vrais. Et cela, c'est des praticiens. Même les enseignants de droit d'université ont de la peine à affronter des praticiens. Donc, ces gens-là doivent maintenant, du point de vue éthique, être d'une certaine probité. Chaque corps a sa déontologie. Je crois que les cas comme ceux qu'on évoque sont marginaux. En général, votre avocat ne vous déleste pas jamais pour aller, en général, servir la cause contraire. C'est une faute grave. Si vous saisissez le barreau, il va se trouver en difficulté. Ils ont un très grand rôle également pour atténuer la virulence de certains jugements. Parce que vous savez, on dit chez nous que le juge juge en toute âme et conscience. Mais la conscience est un construit. J'aime à le dire au juge. La conscience, vous construisez votre conscience par rapport à ce que vous croyez, ce à quoi vous croyez. Or, on vous fait croire des choses que de juges ont été égarés par de bons ou mauvais avocats. Finalement, le rôle de l'avocat, même si c'est un rôle qu'on juge de méchant, c'est de faire prévaloir la cause de son client. L'avocat n'est pas quelqu'un qui recherche le départ pour le paradis. Il ne s'en préoccupe même pas. Mais il y en a beaucoup qui sont des croyants. Hein? Non, c'est pas la question. Ils peuvent être croyants dans leur vie privée. Leur rôle, c'est de faire prévaloir, et il faut que nous nous habituions à ça. Quand vous avez par exemple un frère avocat, vous avez un procès, vous n'allez pas le prendre. Vous prenez quelqu'un d'autre. Si votre adversaire le prend, vous croyez qu'il viendra dire au tribunal, c'est mon frère en face. En face, c'est mon frère. Non. Il viendra défendre et faire prévaloir la cause de son client. Bon, et puis les avocats que j'ai approchés me disent récemment qu'ils souhaitent qu'on enlève le mot client dans le rapport qu'ils ont avec. Les justiciables. C'est ce qu'il disait d'ailleurs. Non, il dit. C'est compliqué. Ça, je le tiens par exemple du bâtonnier Charles Tchungang qui dit que le mot client donne l'impression qu'on a affaire à des marchands. Mm-hmm. Or, l'avocat ne vend rien. Le prestataire. Il est prestataire de service. Et l'expression client a donné donc l'impression de marchandage et autres. Donc, je crois, pour me résumer, que dans notre société, dans la situation où se trouve notre pouvoir judiciaire, nous avons intérêt à donner de plus en plus de valeur aux avocats. Et le premier président de la Cour n'a pas manqué aussi de leur tirer les oreilles dans son discours. De leur tirer des oreilles. Il le faisait aux différents corps. Il leur a aussi tiré des oreilles parce que le monsieur qui se fait appeler apôtre disait quelque part là que...
les avocats se mêlent déjà des affaires bizarres. Une femme va pour demander le divorce, elle devient la femme de l'avocat. Oui. Bon. Vous avez un problème de terrain en famille. Vous avez un problème de terrain en famille. Après, vous retrouvez que le terrain est déjà la propriété de l'avocat. Vous ne savez pas par quelle alchimie il s'est retrouvé propriétaire de vos terrains, ainsi de suite. Donc, ce genre de dérives sont à décrier. Mais en général, nous avons besoin de ces gens-là. Il y a trois problèmes, Rosalie, permets-moi. Je te le permets. Oui, trois problèmes. Le premier, tout à l'heure, quelqu'un me le rappelait encore. C'est que dans notre pays, les avocats sont sous-évalués et ils sont sous-représentés. C'est-à-dire dans le pouvoir judiciaire... Sous-évalués comment? Qui doit les évaluer? Non, je veux dire, dans le pouvoir judiciaire camerounais, la place de l'avocat est malheureusement minorée. Ça veut dire, si vous regardez... Donc, il ne mérite plus que si ce qu'on l'a donné là. Le premier président de la Cour suprême, on peut comprendre, le ministre de justice et autres... Vous voyez qu'il y a beaucoup de magistrats au sommet et on donne l'impression que le pouvoir judiciaire n'est que l'affaire des magistrats. Ce n'est pas le cas. C'est l'affaire de tout le monde qui constitue la chaîne. Chacun de ces maillons de la chaîne a une place importante dans le système du pouvoir judiciaire. Deuxièmement, dans une société en pleine dérive, de tous les bords, dans tous les angles, il est plutôt logique de constater que tous les corps de métier plongent. Ça veut dire, comme on reproche aux policiers d'être parfois égarés, aux agents municipaux de l'être, il y a également des magistrats qui le sont, des avocats, des notaires et autres. C'est regrettable, mais c'est le cas. Troisième chose, vis-à-vis des justiciables, les avocats ont beaucoup de devoirs, énormément. Devoir, une fois qu'il est constitué d'assistance ou de représentation, le devoir de loyauté, le devoir de compétence, le devoir de dévouement. Les avocats ont beaucoup de devoirs vis-à-vis des justiciables. Sauf que, M. Yemek l'a bien dit avant, on parlait d'autre chose, dans un système corrompu, c'est extrêmement compliqué de rester droit. Vous voulez justifier que quelqu'un joue avec la vie des gens quand il est avocat? C'est blâmable. Je dis, les circonstances atténuantes, je dis compliqué pour dire que c'est blâmable. Ah, d'accord. Donc, dès qu'on attrape quelqu'un qui n'est pas dans le bon ordre, il est clair qu'il devra être blâmé ou sanctionné. Encore que l'ordre se rassure très bien le faire. Donc, personnellement, moi, je pense qu'on devrait intégrer que l'avocat est prestataire de service, il offre sa compétence. Ses honoraires ne sont pas limités. Si vous taxez 100 millions, vous payez. Parce qu'il n'a pas à taxer en fonction de vos poches, mais selon sa compétence. Si vous n'avez pas, vous cherchez celui qui est à votre dimension. Vous laissez quand vous écrase. Oui, oui. Mais il y a quand même beaucoup de devoirs que l'avocat a. Il y a souvent eu des légendes comme quoi l'avocat, on l'enterre avec. On disait quoi? On l'enterre sur la On l'enterre avec la face. Non, ça, c'est toute l'histoire que les gens ont raconté pour. Oui, je suis avec toi, Didonné. Avec votre permission, il a évoqué tout à l'heure la question des terrains. Il a réitéré qu'il y a des gens qui arrachent les terrains des gens. Je voudrais faire observer que la loi de 90/059, article 27, dit qu'il est interdit à l'avocat de se porter acquéreur des droits litigieux ou de prendre des intérêts quelconques dans les affaires qui lui sont confiées. L'alinéa 1 dit que de faire avec ses clients des conventions aléatoires subordonnées à l'issue du procès, notamment de stipuler qu'il recevra comme honoraire une partie des avantages obtenus. Article 27, alinéa 1. L'article 42 dit que, parce que tout à l'heure a dit qu'un avocat se déconstitue à gauche, va à droite. C'est pas vrai. Non, il n'a pas dit qu'il se déconstitue à gauche. Bref, il a dit que il est censé te défendre, mais il fait ami par derrière avec les adversaires et il te noie. C'est ce qu'il a dit. Et que j'en ai été victime. Moi-même qui suis debout, j'en ai été victime. Je fais donc observer que l'article 42 dit que l'avocat ne peut, ni au cours de l'exécution de sa mission, ni après l'achèvement de celle-ci, représenter, assister au conseil dans la même affaire ou une autre affaire connexe une personne dont les intérêts sont partiellement contraires à ceux de son client. Article 42. Maintenant, je voudrais chuter sur ce point.
Ça, c'est les articles. Moi, j'ai une autre question. On a beaucoup. Vous savez très bien qu'en termes d'articles, des tests au Cameroun, on est dans la question de l'application de ces tests. Ce que vous dites, c'est ce qui est écrit, mais dans la réalité. Quelle est la solution par rapport à ce problème d'avocat? Nous, au PCPDC, le parti qui abordait pour la paix, la démocratie et la construction, nous estimons qu'il faut créer une école d'avocature. Parce que... Là, vous partez faire quoi? Il faut créer une école d'avocature. Non, il n'y a pas une école. On est chez les parents et autres. Il faut créer une école d'avocature au Cameroun. Donc, vous êtes il faut créer une école d'avocature au Cameroun afin de former les futurs avocats, un peu comme le Rwanda, un peu comme le Nigeria, un peu comme le Ghana. La Gambie. Voyez-vous, pour un métier comme celui-là qui est au cœur du dispositif de la justice, parce que même les assignations que les huissiers vont servir, parfois c'est l'avocat qui fait son draft. Parce que si vous laissez un huissier aller vous rédiger une assignation, alors vous allez vous casser le nez à l'audience. Les citations directes, il faut faire votre draft. Vous voyez, vous, le service, c'est un service assez compliqué qui fonctionne dans un maillage général avec plusieurs nœuds. Et parfois, le client ou le justiciable n'est pas toujours au fait des devoirs qu'incombe à l'avocat. Ce n'est pas le boulot de votre avocat de côtoyer les bureaux des juges. C'est à l'audience. Ce n'est pas le rôle de votre avocat de commencer à marchander avec les officiers de police judiciaire. Ce n'est pas le cas. Votre avocat a pour mission. Il vous attend au parquet. Il fait les diligences nécessaires. Et voyez-vous, en matière de délai d'instruction d'une affaire, l'avocat fait des efforts pour mettre le dossier en état. Mais il y a un huissier qui aujourd'hui est limité dans le cadre de ce qu'on appelle les quotas. Le ministère de la Justice a limité un certain nombre de quotas que les huissiers doivent faire en termes de notification d'actes et autres. Conséquence, un huissier qui atteint son quota n'a plus rien à faire. Il faut pouvoir payer les frais à ce niveau là-bas. Et parfois, il y a des justiciables qui pensent que une fois les frais d'ouverture de dossier honoraires payés, tout est fini. Monsieur, quand il fallait respecter vos églises, on vous a laissé. Laissez-nous parler de ce qui concerne. C'est sacré. Parce que chacun, au moins au Cameroun, a quelqu'un qui a eu à faire face avec la justice. Et nous disons... Donc, si je comprends bien, pour que tout le monde comprenne terre à terre. Oui. Une fois que tu vas chercher ton avocat, quand tu as fini de payer ses honoraires qu'il a demandé, et que tu as fait l'ouverture du dossier, tous les déplacements là, tu dois payer pour ça. Il y a les débours. Non, je veux juste qu'ils comprennent, parce que dans le français, vous allez, je vous explique en d'autres termes. Lorsqu'il se déplace pour aller à une audience, il y a les vacations d'audience, il y a le transport qu'il faut supporter. Et c'est toujours le client qui supporte. Ses honoraires, c'est donc pourquoi? Non, je veux comprendre. Il y a un certain nombre de prestations que l'avocat met à votre disposition. Il y a la rédaction des actes. L'étude de votre dossier. C'est tout un pan. Figurez-vous, il y a des aînés. Non, dans ses honoraires, il n'y a pas son transport. Non. Il n'y a pas de transport. La vacation est particulière. Laissez-moi finir, vos amis. Il faut créer une école d'avocature au Cameroun. Et au-delà de ça, l'avocat reçoit ce qu'on appelle les bénéfices non commerciaux. En 30 secondes, parce que. Chuter. Oui. Est-ce que vous savez que l'avocat doit tout déclarer au fisc et payer? Il n'y a même pas d'abattement sur les honoraires qu'il reçoit. Il paye des taxes par rapport à ça. Nous pensons qu'il faut faire des abattements pour que désormais ce soit 50% de ce qu'ils reçoivent qui soit imposable. Pour que cela puisse au moins permettre de gérer les secrétaires, les bureaux et tout le consommateur. Ah, d'accord, vous faites là un plaidoyer pour les avocats, quoi. D'accord. Ils ont noté ce qu'ils vont faire 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Je voudrais dire que c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui d'aller en justice. Vous avez un problème. Mais si commencez d'abord par trouver un avocat.
payer ses honoraires. Et après, c'est lui qui vous appelle à tout instant. Oui, je veux l'agent de taxi. Non, je veux me déplacer pour Douala. Il me faut prendre le VIP pour Douala. Il faut faire ceci. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais, en tout cas la plus grande majorité, ont, n'est-ce pas, du mal à aller en justice parce que, commençant d'abord par celui qui est supposé, n'est-ce pas, aller plaider pour vous, il vous complique la chose. Combien de fois quand vous allez aller voir la tête du juge? Donc c'est pour cela qu'on a transformé... On peut dire que la difficulté commence... On a la difficulté. Vous avez un problème, vous appelez un avocat, première chose qu'il vous demande, c'est de l'argent. Et vous vous dites que non, on doit enlever le terme client. On ne peut pas enlever ce terme-là, parce que ça sied bien avec ce que nous sommes, c'est-à-dire la marchandise. Il faut dire que vous appelez, on vous dit, bon, envoyez-moi 25 000, après c'est 50 000 pour ce qu'ils appellent leur honoraire. Quand vous payez cela, après cela, c'est selon l'histoire, selon le problème que vous avez, qu'il commence maintenant à fixer ce que vous devez lui payer. Et maintenant, après ça, on va venir défendre encore les avocats. Donc, vous voulez défendre les avocats. Ne cherchez donc pas les problèmes. Et... Vous avez les problèmes. C'est là que je dis qu'aujourd'hui, les Camerounais ont donc des difficultés. Vous allez devant le juge. Parce que nous avons des problèmes aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas aller en justice parce que celui qui est d'abord supposé nous défendre est d'abord contre nous. Donc, merci, apôtre Charles Magnada. Merci, Pierre Berriou-Niemec. Merci à toi, Bernardo Basson. Et merci, bien entendu, à Dieu donné Teddy, que je retrouve finalement physiquement, que j'ai eu un jour ou plusieurs fois au téléphone. Merci. On se retrouve physiquement aujourd'hui, je ne savais pas qu'il s'agissait de vous. Merci, merci également à l'équipe technique. Il est affectueusement appelé ici Baby. Il était derrière les caméras. Et bien sûr, le mixage vidéo a été signé de Decamix, Janvier et Kengé. Et Jacques Bitibia a réalisé cette émission. Demain, vous retrouverez, bien entendu, Parfait ici pour la dernière de la semaine. Moi, je vous retrouve le soir lorsqu'il sera 17h dans le cadre du Grand Soir. Respect, M. Donévin. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci.